Pour pouvoir continuer à exister, il faut qu'on science évolue et propose à ceux qui en veulent plus de souscrire à un abonnement qui donnera accès à des tas d'avantages. Mais attention, l'émission reste bien entendu gratuite grâce aux dons pour tout le monde, avec au minimum une émission par mois. Souscrivez dès maintenant à UFO Conscience via le bouton rejoindre et bénéficiez des avantages réservés aux membres avec accès en avant-première aux nouvelles vidéos. Je partagerai mes vidéos en exclusivité 15 jours avant la sortie publique aux membres. Vidéos d'archives réservées aux membres. Je partagerai mes anciennes émissions. Vidéos exclusives. Je partagerai des vidéos inédites qui ne seront jamais rendues publiques uniquement pour les membres. Voici un petit aperçu de ce qui vous attend en devenant membre pour seulement 4,99€ par mois, avec annulation possible à tout moment. Cette affaire avec les aliens, il y a 2 ans, en août 2019. J'étais dans mon jardin et je regardais comme ça la montagne. Et je vois, il est à peu près midi, je vois une sphère devant un pic des Pyrénées. Cette sphère, elle remonte au-dessus du sommet. Et puis elle redescend de l'autre côté. C'était une très grande sphère. Je vois sur le côté gauche un visage de profil. Il était fin, mince, avec comme une ligne transversale descendante sur la joue. American United States Army Air Corps acknowledged they had captured a flying disc. Donc après le rapport remis par l'officier d'enseignement Marcel, donc la base a émis un communiqué de presse dans lequel l'Army Air Force, qui était avant l'US Air Force, reconnaît qu'ils ont capturé un vaisseau spatial. That it would all come out 5, 10, 15 years later. Well, it didn't. Oui, en vérité, donc il a expliqué qu'il avait été forcé donc d'accepter, d'endosser donc l'hypothèse ou la théorie, la version du ballon météo, quand cette version du ballon météo a été substituée à l'hypothèse, à la déclaration initiale donc quoi il avait découvert un vaisseau spatial. N'hésitez plus à rejoindre la chaîne pour retrouver les autres archives UFO Conscience, comme la disparition du vol 19 avec Elisabeth de Caligny, la rencontre du troisième type de Jean-Christophe Tal, ou encore les crânes allongés de l'archéologie interdite avec Brian Foster. Et retrouvez bientôt des vidéos inédites uniquement pour vous, membres de la chaîne. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission spéciale autour d'une table ronde virtuelle pour parler de sujets inexpliqués du paranormal ou de l'ufologie. Nous avons avec nous ce soir Jean Morissette qui lui s'occupe des enquêtes ufologiques au Québec. Bonsoir Jean. Ça va bien? Ça va très bien. Parlez-moi de ça. Et d'ailleurs, j'en profite, comment ça se passe en ce moment au niveau des enquêtes? Est-ce qu'il y a beaucoup de phénomènes ovnis? Un peu tranquille, mais comme d'habitude, c'est des boules de lumière. Je vous rappelle que depuis à peu près 1950 ou 60, ils ont trouvé qu'en plein milieu du fleuve, il y avait une faille géologique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de cas de ces boules qui sont des boules tectoniques de lumière, mais ça n'explique pas tout. Loin de là, on a beaucoup d'observations aussi près de la base militaire, mais ça, c'est un peu normal, de Valcartier. À part de ça, c'est un peu tranquille, j'avoue, là. D'accord, ouais, donc tu confirmes que c'est encore tranquille. C'était le cas déjà en décembre, novembre, décembre, et là, rien n'a changé, c'est toujours pareil, la situation est tranquille au Québec. C'est ce qu'on peut conclure. Absolument. Ensuite, nous avons Bruno Lefebvre, ex-animateur radio et réalisateur de courts-métrages au Québec. Il est également passionné d'ufologie. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Olivier. Bonsoir tout le monde, messieurs, mesdames à la maison. Comment vas-tu, Bruno? Je vais bien. J'ai toujours un petit peu de problème avec mon horaire, un petit peu de problème avec... les rendez-vous à heure fixe, mais que voulez-vous, on est dans une période où il fait moins 30 ces temps-ci à Québec, alors ah bon, on est en train de battre nos records, degrés. Nos propres records de froid. Bon, d'accord, alors tu es pardonné.
Il n'y a pas de problème. Moins 30 degrés, tu es pardonné direct. Ensuite, nous avons Eric qui enquête sur le territoire de la Lorraine ou limitrophe et qui est l'administrateur de mon groupe Facebook UFO Conscience et Actu Ufologique. Bonsoir Eric, comment vas-tu? Et là, pareil, je vais te poser la même question que j'ai posée à Jean, à savoir, est-ce qu'il y a en ce moment des cas ovnis? Est-ce que c'est touchy? Est-ce que c'est calme? Vas-y, dis-nous tout. Eh bien, bonsoir les UFO conscients. Alors, niveau observation, c'est calme, hein, l'année vient à peine de commencer. Par contre, pour 2021, ouais, j'ai comptabilisé en chiffrant, on arrive à 5 cas. Donc, on va dire que c'est pas trop mal. Que c'est vrai que l'activité vraiment est retombée. Je veux dire, en tout et pour tout, 5 cas sur l'année. Oui, 5 cas à peu près, intéressant. Donc, tout département du Grand Est confondu. Hein. J'ai plus grand-chose qui me vient vraiment directement. Ah ouais. Il faut aller chercher l'information et on va dire que c'est calme quand même dans les grandes lignes. Ben c'est pire que calme, là. C'est infime en fait. 5 cas, c'est pas rien, c'est pas rien du Grand Est. On me dit il faut s'estimer heureux. Bon, on est très loin des plus de 60 cas qu'on avait par exemple en 2010. D'accord, et ça concerne un peu comme Jean Morissette disait tout à l'heure, c'est-à-dire des boules de lumière ou quand même autre chose de plus intéressant? On a eu des autres choses, un triangle, on a eu un genre de cigare également. Et quand même. Ces fameuses boules, ces sphères. Oh, ça, il va falloir que tu nous en parles tout à l'heure. Bon, Peut-être une autre fois, parce que je n'ai pas les données sous les yeux. Là, donc, Ouais, c'est ça. Ouais. Il veut nous faire croire ça, Eric. Hein, non, mais écoute. Je présente. Oui, je sais bien. Oui, tu ne connais pas les cas par cœur. Et cas, te connaissant. C'est des cas qui n'ont pas encore véritablement été enquêtés. Quoi. Je veux dire, c'est plutôt des recueils d'informations. Oui, te connaissant, tu es très pointilleux sur chaque cas et il faut, pour que tu en parles, il faut que ce soit, que ce soit bien, détaillé, quoi. Voilà, c'est oui, ça. Il faut un minimum syndical, quoi, lieu, endroit, date, heure, direction du pan, etc., quoi. Il faut ouais, tu quelque as bien chose, raison. Et puis quelque chose de consistant, quoi. À l'occasion. Parce que des simples lueurs nocturnes, bon, c'est pas franchement top quoi. On a des objets structurés, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord, on pourra revenir là-dessus. Hein. Juste rapidement, ça s'est passé où ces cas-là, les plus intéressants, triangles et cigares. Écoute, j'ai pas noté, mais ça concerne à peu près l'ensemble du grand quart nord-est quoi. Il veut pas dire. Plus qu'un autre. C'est secret. Il y a d'anciens cas qui remontent un peu à la surface. Des choses qui étaient oubliées, qui n'avaient pas été dites jusqu'à présent. D'accord. De temps en temps, comme ça, on arrive à en récupérer. Et maintenant, je vais annoncer Gérald, qui lui bosse pour le ministère de la Défense et qui va commencer, en fait, avec sa chronique. Déjà, bonsoir Gérald, comment vas-tu? Bonsoir Olivier, bonsoir à tous les amis, à tous les conscients. J'espère que vous allez bien cette nouvelle année. Enfin, on est déjà au mois de février, pardon, c'est vrai. Eh oui, ça passe vite, hein, ça passe très vite, c'est sûr. Et toi donc, tu vas commencer. Ça passe bien. Pardon, j'ai pas entendu. La construction de l'étoile noire dans laquelle tu. Ah, très très bien, très très bien, ça avance. C'est un projet international, interstellaire ou strictement français, du ministère de la Défense. Non, c'est interstellaire, parce que j'ai entendu d'ailleurs récemment, on reparle de la Confédération Galactique, apparemment, il y a des vaisseaux qui sont arrivés. Dans le système solaire, d'après les dernières news qu'on peut voir, si et là, sont sur les réseaux sociaux. Donc, il faut se préparer, les enfants, parce qu'ils arrivent. Et c'est pour nous sauver, attention, c'est pour nous sauver, hein, bien entendu. Ah oui, absolument. Moi, j'ai préservé un message de la Fédération Galactique datant de 2012. Ah. Alors, peut-être qu'on pourra mettre ça dans une autre émission, mettre ça sur la page. Je pense qu'on en parlera, ouais, ça mérite une émission entière. Alors, vas-y, je te redonne la parole. Excuse-moi, Olivier. Alors, à noter que ce soir, nous recevrons une ancienne journaliste de Paris Match qui est la célèbre Marie-Thérèse de Brosse. Elle nous parlera de son sujet favori, les abductions ou enlèvements de supposés aliens.
Mais en attendant, on va commencer cette émission donc avec ta chronique pop culture. C'est à toi la parole, Gérald. On t'écoute. Avec légèreté, oui. Donc la première chronique pop culture de l'année. Alors 2022, ça promet d'être une année assez chargée en termes de séries, de films. On va être gâté avec En ligne de mire, le fameux mois de décembre et la sortie du tant attendu deuxième volet d'Avatar. Je vois tout le monde s'agiter avec Avatar. Donc la suite de l'aventure des Schtroumpfs de l'espace, imaginée par James Cameron, 13 ans après le premier film, qui avait raflé toutes les récompenses et battu tous les records. Alors, on sait pour le moment peu de choses sur ce deuxième volet, si ce n'est qu'il sortira le 14 décembre, qu'on devrait retrouver la sublissime Sigourney Weaver, 72 ans, toujours aussi pétillante, un amour de jeunesse pour de nombreux cinéphiles. Bah, on y reviendra, je pense, dans une autre émission sur Avatar 2, parce que là, on manque encore beaucoup d'informations et je pense que d'ici les prochaines semaines, prochains mois, on devrait avoir les premières images et les trailers qui vont se multiplier. Donc, on va passer à l'actu. Alors, niveau actu, pour commencer, on a du très lourd. Avec la sortie, donc en ce mois de février, de la saison 2 de la série OVNI, la fameuse série originale Made in Canal+. Donc, on va retrouver les aventures de Didier Mathur et de ses acolytes du GEPAN, Mathieu, Marcel, Vera. Alors, ça promet d'être encore une fois haut en couleur. Alors, je vous livre le synopsis de cette nouvelle saison. Depuis que Didier Mathur a vu de ses propres yeux un OVNI, il sillonne en vain la France à la recherche de nouvelles apparitions. Et alors qu'il s'apprête à tout arrêter, un phénomène étrange se produit dans une centrale nucléaire. Alors, pour Didier, c'est sûr, c'est une intelligence venue d'ailleurs qui cherche à établir le contact. Et donc, il va tout mettre en œuvre pour lui répondre, à moins que Claire Carmignac du ministère de l'Énergie ne l'en empêche. Voilà le synopsis. Donc, rien qu'à la lecture du synopsis, on sent qu'on est en France, avec une production bien de chez nous. Et bien sûr, comme pour la première saison, des effets spéciaux et un humour bien de chez nous aussi. Alors, on en avait déjà discuté de cette série l'an passé. Bon, je ne vais pas forcément revenir longtemps dessus. Disons que OVNI, donc la série OVNI, sans les artifices des productions américaines et avec une approche très franchouillarde, il faut dire les choses, limite soupe au chou du phénomène OVNI, on va dire que c'est une façon comme une autre d'intéresser le grand public à l'ufologie. Alors bien sûr, on n'est pas dans du Spielberg, ni dans du Lou Elizondo. Ici, c'est une désinformation bien plus classique, franco-française, qui consiste, comme depuis des décennies, à pointer du doigt le phénomène en y ajoutant une petite pointe d'autodérision et puis d'humour potache. Alors personnellement, même si je n'ai pas détesté la première saison, je vous avoue que ça ne m'a pas forcément fait vibrer plus que ça. J'ai toujours du mal personnellement avec l'approche un peu rigolarde des ovnis en France. Mais il faut dire les choses, ça reste quand même un programme frais, agréable, c'est sympathique, c'est familial. C'est dans la grande tradition des soucoupes volantes de Jean-Claude Bourré d'avant les années 90. Et puis rien que pour le casting, avec entre autres la magnifique et envoûtante Daphné Patakia qui joue Vera, ça mérite d'être gardé. Puis bon, c'est un produit 100% français, alors il faut soutenir la cause et aller voir de toute urgence cette série qui est disponible sur Canal+. Et pour mon deuxième thème, on va partir maintenant de l'autre côté de l'océan Atlantique, direction les États-Unis, avec un film que beaucoup de fans de rock attendent avec excitation. Un film dans la grande lignée des Wayne's World, pour ceux qui connaissent, uniquement réservé aux amoureux des guitares saturées et de rock qui tâche. Ça s'appelle Studio 666. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce film ? On va revenir à la genèse. Vous connaissez peut-être Dave Grohl, qui était le batteur du groupe Nirvana dans les années 90. Et après la mort de Kurt Cobain, Dave a monté un groupe qui s'appelle les Foo Fighters. En hommage bien évidemment aux Foo Fighters, qui sont un peu les premiers ovnis modernes du XXe siècle, que les aviateurs allemands, anglais, américains voyaient virevolter dans les cieux lors des batailles de la Seconde Guerre mondiale. Et donc ce groupe Foo Fighters connaît un succès mondial depuis maintenant plus de deux décennies. Et en 2020, Dave Grohl donc, a raconté comment des esprits étaient venus perturber les sessions de travail des Foo Fighters pendant l'enregistrement du nouvel album dans un manoir en Californie, le manoir d'Encino. Et cette info donc, qui a fait le tour du monde il y a maintenant presque deux ans, j'imagine que vous en avez tous entendu parler,
Et je crois même qu'on l'avait évoqué récemment dans l'émission. Hein. Il cite notamment des guitares désaccordées. On avait parlé de ça, hein. On avait parlé de ça, ouais, dans une émission, tu sais, avec cette maison hantée, là, oui, voilà, l'enregistrement de l'album. Voilà, Dave Grohl disait, par exemple, qu'ils entendaient sur des pistes des bruits bizarres. Ils ouvraient, par exemple, Pro Tools, et manquaient, Pro Tools, c'est le logiciel hein, qui fait les différentes pistes, il manquait des chansons, il y avait des pistes dessus qu'ils n'avaient pas enregistrées, des bruits bizarres avec un micro qui s'ouvre, personne ne joue l'instrument, quelque chose comme ça, enfin, c'est vraiment... voilà, c'était quelque chose de très bizarre. Donc l'info a a beaucoup circulé là, depuis 2 ans. Eh bien, figurez-vous que Studio 666 va raconter de manière burlesque, c'est un peu la marque de fabrique du groupe dans ses clips, va raconter le séjour du groupe dans ce fameux manoir d'Enchino pour enregistrer leur très attendu 10e album. Ah bah alors, ça alors. Quelle coïncidence. Ah oui. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'une histoire tirée des faits réels qui leur sont arrivés? Ou bien est-ce que c'est la promo du film qui aurait commencé il y a 2 ans, un peu à la manière du projet Blair Witch dans les années 90? Eh oui Rappelez-vous, pendant plusieurs mois dans les années 90, avant la sortie du projet Blair Witch, les médias américains s'étaient fait le relais d'une disparition inquiétante de jeunes étudiants qui tournaient un film. Et on avait vu les familles défiler pour témoigner. C'était une des premières promos de ce genre. Alors, vrai ou fausse, l'histoire de cet enregistrement perturbé par des fantômes sortira sur les écrans, si tout va bien, le 25 février. C'est tout bientôt. Voilà, messieurs. C'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, c'est sûr que là, d'avoir parlé de ce cas-là, voilà, qu'ils ont vécu des phénomènes paranormaux et de sortir un film après. Comme tu dis, la promo a commencé quand ils ont vécu ces choses-là, en fin de compte. Parce que là, ça a fait le buzz total, là. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas déjà prévu dès le départ de sortir un film? C'est ça la question, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tout n'a pas été inventé? C'est clair. On peut se poser la question. Est-ce que tout ça est finalement honnête, ça? Je pense qu'on finira par le savoir. Dans tous les cas, ça restera un programme divertissant. Dave Grohl et les Foo Fighters, c'est un groupe qui se prend pas beaucoup au sérieux, qui en général dans ses clips fait toujours des traits d'humour et qui se met en scène dans des situations improbables. Donc le film risque d'être intéressant, risque d'être marrant, que ce soit vrai ou pas, que ce soit tiré de leur histoire ou pas. Ça après, je pense qu'on finira par le savoir un jour. Hein. Ouais. Ouais, comme tu dis, est-ce qu'on finira par le savoir? C'est ça la question. Bruno, oui, tu voulais dire quelque chose. On verra l'usage de cette production-là. On dirait à vue de nez, comme ça, que c'est quelque chose qui va ressembler au fameux chasseur de fantômes qui entre dans une maison, un manoir, un hôtel, quelque part. Cette fois-ci, c'est dans un studio d'enregistrement. Alors, on verra jusqu'à quel point le groupe de Foo Fighters se met dans l'embarras ou pas avec cette production-là. Et de ce que j'en entends ici, d'après ce que Gérald nous dit, j'ai peur que ce soit ce genre de production strictement d'exploitation. C'est vrai que ça fait quand même assez marketing, mais bon, en même temps, ça donne quand même envie de regarder, c'est ça aussi. Même s'ils font des choses qui ne sont pas très honnêtes, finalement, il y a des gens pour regarder tout ça. Hein. Comme tu disais, toi, Gérald, que tu regardais une chaîne de télé avec des tas de conneries dessus, voilà, ça fait vendre, en fin de compte. Les gens adorent ça, même si c'est de la connerie. C'est ça, parce qu'en corollaire, on a le mort, hein, on a le fantôme qui est Kurt Cobain. C'est pas dit, c'est probablement pas ça, mais les gens vont se dire automatiquement « Ah, phénomène paranormal de Foo Fighters, ça fait 30 ans que Kurt Cobain est décédé, c'est peut-être le fantôme de Kurt Cobain, alors allons-y jeter un regard. » Après, le film se veut volontairement... Le film se veut volontairement comique, hein. C'est du second degré. Pas un instant, il... Ah, OK. Pas un instant, c'est... OK, c'est vrai. Wayne's World, oui. Voilà, c'est vraiment un film comique qui va raconter, soi-disant, ce qu'il aurait arrivé. Voilà. Mais la question, c'est est-ce que ce film-là donc raconte vraiment ce qu'il aurait arrivé? Ou est-ce qu'il y a 2 ans, ils avaient déjà pas prévu de faire ce film-là et qu'ils se sont dit, tiens...
on va faire croire qu'on a vu des fantômes pendant l'enregistrement, ça va faire monter la sauce, et puis comme ça, le jour où le film sort, tout le monde sera content. Oui. Voilà. Peu importe, dans tous les cas, le film restera intéressant à voir, quoi. Ça peut s'inscrire dans la lignée de This is Spinal Tap, qui était une parodie de l'univers du rock'n'roll, réalisée par Ivan Reitman, qui avait fait SOS Fantôme, si je me souviens bien. C'est un film absolument hilarant, par ailleurs. Alors, Eric, est-ce que tu voudrais dire quelque chose, Polyèdre? On ne sait pas comment appeler. Est-ce qu'on doit t'appeler Polyèdre ou Eric, quoi? C'est vrai qu'à chaque fois, j'hésite. Entre nous, c'est Eric, mais bon, pour les auditeurs, ce sera Polyèdre. Il y en a beaucoup qui connaissent sous ce pseudo. Le truc, c'est que tout le monde te connaît sous ce pseudonyme. Donc, mais on va t'appeler Eric. Voilà, vas-y alors, Eric. Ouais, bah écoute, moi aussi, je pense que c'est un genre d'opération marketing qui sont en train de nous faire. Et justement, l'histoire des deux ans, on peut dire que c'est la pandémie, elle est passée par là aussi. Donc là, ils ont mis un petit peu les choses au point et maintenant, ils vont balancer leur truc. Et puis, c'est de la promo, hein, mais alors forcément, oui, ils ont peut-être bien eu quelque chose dans ce fameux manoir, mais en même temps, ils utilisent ce fil-là pour faire passer un autre message, quoi, si tu veux. C'est de la promo, quoi, mais bien ficelé. Jean, une réaction ? Oui, ça me fait penser, vous vous souvenez peut-être, il y a 2, 3, 4 ans, là, c'est lorsqu'ils ont ressorti un film de Charlie Chaplin, il y avait un bout où on voyait quelqu'un qui marchait sur un trottoir avec ce qui ressemblait à un cellulaire. Fait qu'il disait, ça y est, c'est un explorateur du temps. Bon, premièrement, quand on écoutait le film original, ce bout-là n'était pas là. Ça a été rajouté lorsqu'ils ont sorti le DVD ou la cassette peu importe. Et d'une façon ou d'une autre, quand ça l'a sorti, moi, j'ai été faire des grosses recherches. Et dans ce temps-là, dans les années... Bruno, tu me reprendras. Je pense que Charlie Chaplin, c'était dans les années 20-30. Il se faisait des petites radios. Le monde disait c'est un téléphone. Si ça avait été original, il se faisait des petites radios que le monde portait à leur oreille. J'ai fait des recherches, c'est dans mes anciennes pages sur Facebook. Si vous allez lire ma page du fond de mes archives ufologiques et autres, et on voit très très bien que à ce moment-là, il se faisait des petites radios. Des petites radios que le monde portait à leur oreille. Mais à part de ça, c'était pas ça. C'est un bout qui a été rajouté, c'est pas dans le film original. Puis Bruno, tu vas pouvoir me confirmer ça aussi. Tu te souviens-tu du film américain « Deux hommes et un couffin » Il y avait... Oui, qui était le... Bon, c'est oui. Ça. Il avait fait une pause aussi. Quand c'était venu en DVD, je crois, ou sur CD, ou bon, peu importe, quand la caméra balayait puis suivait un acteur, à un moment donné, tu voyais en arrière d'un rideau une ombre d'un enfant. Et encore une fois, ça avait été rajouté au montage, parce que quand tu voyais le film original, c'était pas là, ça. Fait que c'était seulement de la promotion. Fait que ça a été utilisé deux fois. Alors pourquoi pas une troisième fois avec Cobain? Pourquoi pas? Tous les moyens sont bons pour faire la mise en marché d'un produit que l'on veut exploiter de façon éhontée. D'ailleurs, la version américaine de Trois hommes et un couffin, c'est le rachat par Hollywood du scénario de du film français de Colin Serrault du même nom et qui a été réalisé par ce grand génie du cinéma américain qui est Leonard Nimoy, n'est-ce pas, qui après avoir fait Star Trek 4 devenait lui aussi un élément de marketing important pour la vente des films. Mais pour ce qui est du petit radio comme ça à l'oreille, c'est la première fois que j'en entends parler là, pour le film de Charlie Chaplin. Mais il faut quand même se souvenir qu'il était toujours possible, avant l'invention du téléphone portable, de se mettre la main
à l'oreille, si on a mal à l'oreille, si on veut se gratter l'oreille, ou si on veut se protéger l'oreille du vent. Alors, je me dis, c'est peut-être ça aussi que l'on a. Non, mais là, il y avait... Il y a quelque chose dans la main, là. Olivier, je t'enverrai. Ah oui, il y a Gérald et Jean qui semblent dire qu'on voit l'appareil. Hein. On va mettre l'image à l'écran. Ouais, et donc. Je t'enverrai le lien, Olivier, tu pourras le montrer Oui, d'accord, mais est-ce qu'il existait des appareils à l'époque-là pour, je ne sais pas, avec une utilité en rapport avec l'oreille, c'est ça? Oui, j'avais lu des trucs aussi, comme quoi il y avait des appareils auditifs. Effectivement, alors il y avait plusieurs sortes. Il y avait effectivement les histoires de radio, là dont Jean a parlé. Il y avait aussi des appareils un peu solotones de l'époque, où les gens se mettaient le truc à l'oreille pour mieux entendre. Bon, voilà, c'est... Ouais, mais c'est pas trop... Gérald, c'est parce que ce qui faisait dire au monde que c'était un téléphone, c'est que tu vois les lèvres. Donc, le monde, on dit, il parle à un cellulaire alors que c'est bien avant le temps. Alors que si c'est une radio, c'est logique, tu peux fredonner, tu peux chanter. Ouais. Bon, enfin bref, dans tous les cas, ça fait rêver. Voilà, ouais. C'est ça qu'on peut retenir. Alors, on va passer maintenant donc à l'actu ufologique, qu'elle soit américaine, mondiale, française, enfin bref, du monde hein, finalement. Parce que ce n'est pas que les États-Unis, hein, Eric. Non, c'est mondial, mais là, si tu veux, on va rester aux États-Unis. D'accord. Alors, vas-y, on t'écoute. Voilà, c'est à toi. Ouais, alors je vais quand même un petit peu minimiser mon temps d'antenne hein, sur les sujets d'actualité. Et je vais retenir que les éléments les plus importants. Alors, tout d'abord, ça y est, c'est fait. Vous n'êtes pas sans savoir que le président Biden a signé le budget de la défense pour l'exercice 2022. Et qui comporte dans son programme un nouveau bureau dédié à la recherche et l'identification des PAN. Alors, c'est l'Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, donc un nom à coucher dehors, d'autant plus qu'il semblerait encore avoir changé de nom entre-temps. Il sera donc chargé de recueillir des témoignages militaires, mais aussi civils, le tout coordonné avec une bonne dizaine d'agences du renseignement. Alors, bien que le département de la Défense ait ici repris la main, une partie des données pourra être accessible à l'occasion de séances publiques, comme l'exigent les instances bipartites du Congrès. Ces rendez-vous pourraient avoir lieu d'ailleurs très prochainement, avec un à deux rendez-vous par an. Et on a même une date qui est avancée, donc on nous parle du 31 octobre de cette année. Bref, on aura quelques surprises d'ici là. Mais c'est-à-dire qu'on aura les restes. Hein. Comme durant le projet Blue Book, on aura tout ce qui est le moins intéressant, donc les petites lumières, les petits trucs, voilà, tout ce qui n'est pas intéressant. Quoi, en gros. Ah, c'est pas dit. Bon, les ballons, on aura des choses, les ballons essentiellement, peut-être des choses civiles, peut-être pas forcément militaires, mais maintenant, en fait, tout le monde se synchronise et il y aura des choses civiles qui pourront être délivrées et intéressantes aussi. Oui. Je pourrais faire avec, on verra bien ce que ça va donner. Je suis ironique, mais quand je dis ballon Batman, mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'est ce qu'ils nous ont donné, hein, des ballons Batman, des petits trucs, des petites poussières, des petites choses explicables. Mais vas-y, continue. Et des vidéos au téléphone portable aussi, c'est important ça. Ah oui, et surtout en noir et blanc, hein, et de très mauvaise qualité, si possible. Vas-y, enfin, maintenant, on a des pilotes hein, qui sont autorisés à emmener leur téléphone portable dans les cockpits. Ils essaient de filmer plus ou moins ce qu'ils croisent lorsqu'ils sont en l'air. Mais bon, après, la définition, elle est scalée, quoi. Hein. Il y a des reflets, du soleil, tout ça. Bon, il faudra faire avec, en attendant d'avoir des choses un peu plus intéressantes. Mais quoi qu'il en soit, tout ce que nous vivons actuellement est historique. Voilà, il n'y a pas à chier. En dépit d'une certaine lenteur, c'est vrai, c'est assez lent. Hein. On attend toujours, on est toujours en attente d'avoir quelque chose de toujours plus gros, mais bon, le but, c'est, il s'agit ici de ne pas brûler les étapes, mais de bien préparer le terrain. Donc, je vais également vous parler du duo Jacques Vallée et Gary Nolan. Donc là, c'est en plein de l'actualité, hein, ils font beaucoup de choses ensemble. Et donc, ils commencent à diffuser le fruit de leur travail.
Alors, évidemment, je ne vais pas revenir ici sur Trinity, donc je sais que c'est un sujet qui tient très à cœur à Olivier. Par contre, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu qui est ce Gary Nolan, tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas, que tu nous rappelles un peu qui est ce personnage, en fait. Hein. En fait, il fait partie de l'université de Stanford. Donc, il travaille sur tout ce qui est côté biologique. Et donc là, en fait, il a porté une étude sur les blessures qui ont été infligées aux pilotes ou d'autres personnes ayant approché un peu trop près les pans. Donc ça concerne environ une centaine de personnes et ce sont principalement des militaires. Alors ces individus ont été exposés à des rayonnements ionisants affectant une partie de leur cerveau au point de la modifier. Il démontre aussi qu'un quart de ces expérienceurs, on va les appeler comme ça, sont décédés suite à des blessures. Donc ceci n'est vraiment pas à prendre à la légère. Et donc en fait, Vallée et Nolan ont également rendu public de nouvelles analyses sur des matériaux donc, issus de l'incident d'Ubatuba. Donc Ubatuba, c'est au Brésil. Donc ça a été diffusé dans une revue scientifique à comité de relecture, la Progress in Aerospace Science. Il y a aussi question de l'incident de Kunshin Bluff. Et c'est un cas où on compte quand même 11 témoins. Et qui, lui, a été publié dans les annales d'astronomie et d'astrophysique. Mais il y aura d'autres documents qui suivront par la suite. Et ils seront également publiés dans des revues scientifiques. Concernant Vallée, notons que Paola Harris a publié dernièrement donc une riche et intéressante interview de lui donc, sur sa chaîne YouTube. Donc j'invite nos auditeurs à aller voir cette passionnante interview. Il y a beau avoir des efforts de publication scientifique et ce que suggèrent les données obtenues, les sceptiques continueront toujours à les ignorer puisqu'ils ne comprennent pas ils ne prennent pas le temps de s'y intéresser, donc comprendre le contenu. Or, ce sont les premiers à réclamer les données. C'est vraiment faire preuve d'une mauvaise volonté. Ça, c'est clair et c'est pas prêt de changer. Concernant l'actualité de Lou Elizondo, donc il est intervenu dernièrement dans l'émission mythique Coast to Coast. Alors, Lou dit que le groupe de réflexion, donc on y revient, sur le renseignement de haut niveau s'appelle Our Space. Donc il n'est pas classifié, mais beaucoup de choses le sont à l'intérieur. Il annonce que des comités consultatifs civils sont en cours de création pour conseiller les décideurs politiques de haut niveau sur les pans. Cela comprendra plusieurs comités, un comité académique, scientifique et technologique. Lou Elizondo a également rencontré une personne qui sera sans doute désignée pour diriger le conseil consultatif universitaire chargé de questions philosophiques et théologiques, un peu comme le fait Jacques Arnould, donc, qui est attaché au CNES depuis quelques années. Il balaye d'un revers de la main les soi-disant visites de drones survolant la flotte de la Navy en 2019. Il apporte des arguments sur le fait qu'il ne s'agit pas de drones chinois ou russes, chose qui revient constamment sur la table, notamment par les sceptiques. Les drones observés montraient clairement des capacités hors normes et des accélérations hypersoniques propres au PAN. Alors bien évidemment, ces données restent pour l'heure confidentielles. Mais il faut aussi faire confiance en ce qu'il dit, puisque des choses ont été vérifiées au bout de ces 4 années de processus. Il nous dit aussi que son livre est en cours d'écriture. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui demande, qui s'intéresse à ça. Donc là, il en est à la moitié et affirme que nous connaissons jusqu'à présent 5% de l'histoire. Bref, une fois qu'il sortira, ça risque d'être un petit peu explosif. Enfin, il s'est associé avec quelques personnes pour travailler sur un nouveau documentaire, apparemment très élaboré, jamais réalisé sur le sujet, et c'est peut-être finalement celui où intervient Leslie Kean. Il y a un truc en préparation avec CNN. Bref, à suivre. Voilà, je vous remercie, ce sera tout pour cette fois, car je cède la place à notre prestigieuse invitée, je crois qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Pour la suite. Alors, c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite, ce sera après. Mais merci, Eric. Ok, bah, merci très bien. Merci pour cette chronique. Y a pas de peut-être des réactions par rapport à tout ce qui s'est dit, là, tout ce qu'a dit Eric. Qui voudrait réagir? Oui, Bruno, vas-y. C'est mon 3 minutes que j'avais prévu pour l'émission. Alors, je vais suivre Polyèdre là-dessus.
On a le centre d'attraction OVNI qui se concentre encore une fois de façon incomparable dans le monde sur les États-Unis. Un ancien militaire, là, Louis, c'est devenu Louis. Et là, le président Biden qui signe ses papiers, la création du Space Force l'an dernier à la toute fin du régime de Trump, si je me souviens bien. Je ne peux pas m'empêcher de poursuivre mon questionnement, même devant ces choses historiques, comme tu l'as dit, Polyèdre, parce que tout à coup, le discours officiel revient encore une fois vers les États-Unis. Ça commençait avec Roswell, bien entendu, c'est ceci. Le lendemain, on dit non, c'est cela. 40 ans plus tard, on dit non, c'était ça. 3 semaines plus tard, on dit ah non, c'était autre chose parce que le projet Mogul et tout ça, c'était après la période de l'incident de Roswell. Et là, tous les regards sont tournés continuellement dans l'industrie ufologique, entre guillemets, là, nous en faisons partie, nous tous ici, on s'intéresse à ça. Alors, l'industrie ufologique, encore une fois, son centre, son socle revient aux États-Unis. Et ce n'est pas pour faire de la conspiration facile, mais je me dis pourquoi soudainement le gouvernement américain ou des représentants, entre guillemets, du gouvernement américain sont en train d'établir les contours d'un contrôle de l'information, de l'homogénéisation de l'information ufologique aux États-Unis par son caractère officialisé. Hein, c'est les signatures présidentielles, c'est la création d'organismes, et ce publiquement, de façon non cachée, non camouflée, comme le bureau d'études là, qui a été éventé il n'y a pas très longtemps. Alors, je me dis, pourquoi est-ce que l'on veut homogénéiser le discours ufologique? Pourquoi est-ce que les États-Unis, et de façon officielle, deviennent la voix ufologique, la voix VOIX ufologique de par le monde, encore une fois? Eh bien, si l'ufologie entre dans le politique et que le politique entre dans l'ufologique, c'est qu'il y a il y a une sphère d'intérêt à combler ici. Il y a un intérêt à être dans ce domaine et à contrôler, entre guillemets, le message ou son encadrement. Qui dit propagande, qui dit formation des esprits, formation de l'imaginaire des gens face aux ovnis, qui dit notre époque où nous sommes d'ici une dizaine d'années, 15, 20 ans peut-être, sur le point de découvrir des traces indirectes de vie sur d'autres planètes. Le télescope James Webb, qui est au point de Lagrange 2, entre le Soleil et la Terre, va probablement nous fournir beaucoup d'informations absolument renversantes là-dessus. Ça risque de remettre en question jusqu'au Big Bang, selon certains. Bon, c'est une autre histoire, mais et avec les sondes martiennes, bien sûr, avec la course effrénée du privé dans l'espace, je parle d'Elon Musk. Alors, c'est dans l'air du temps, ou dans l'espace du temps, si vous voulez. Alors, pourquoi veut-on normaliser le discours ufologique par le biais du gouvernement américain jusqu'à sa présidence? Et moi, je me dis, il n'y a pas d'anguille sans roche. Hein? Il y a aiguille sous roche. Je n'entre pas dans la conspiration, il n'y a pas de conspiration à date à ce niveau-là, mais s'il y en a une, eh bien, elle rejoint celle du fameux, c'est quoi le nom de ce fameux, cette fameuse conspiration qui remonterait à Wernher von Braun, qui aurait dit, oui, on va faire semblant qu'il y a une attaque extraterrestre afin de venir toutes les forces du monde et de créer un gouvernement mondial. Tu sais, ce genre de projet Blue Beam. Blue Beam, voilà. Alors, si c'est ça qui se produit, ben, nous y sommes. Et c'est quelque chose qui a déjà été dit. Bon, Von Braun en a parlé à sa secrétaire, sa nièce, je ne sais plus trop. On a même un grand réalisateur français que vous connaissez tous, Claude Lelouch, qui en 1984, en fait, le film est arrivé ici en 1984, Viva la vie, parlait exactement de ça. On instrumentalisait une éventuelle intervention extraterrestre pour court-circuiter la guerre nucléaire qui allait venir de l'URSS. Où j'ai vendu le punch d'un film qui a maintenant plus de 40 ans. Bon, c'est ça. Moi, je me pose la question, il faut se la poser aussi dans toutes les questions, dans le schéma heuristique qu'on peut faire sur ce questionnement. Pourquoi on est en train d'assister à une normalisation du contenu ufologique de façon officielle de la part unilatérale d'un seul gouvernement de la Terre? Ça, c'est pour les intérêts de ce gouvernement-là.
Ça, c'est mon avis. Je ne vais pas plus loin. Je n'ai pas plus d'informations que cette petite observation-là. Mais je recommande à tous de regarder Viva la vie de Claude Lelouch. C'est un excellent... Je pense, Bruno, que ça va suivre, en fait. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que pour l'instant, ça marque les esprits parce que c'est les États-Unis et que première puissance mondiale, tous les grandes histoires ufologiques ont lieu chez eux. Donc c'est normal que ça en impose, quoi. Mais à mon avis, ça va suivre. C'est-à-dire que tu sais bien que les Russes, les Chinois vont pas accepter que les États-Unis prennent entre guillemets le pouvoir sur l'information ufologique officielle. Donc à mon avis, c'est ce que disait Eric tout à l'heure, c'est un tournant quelque part, parce que les États-Unis, c'est un peu le modèle du monde pour plein de choses. Donc à mon avis, ça va suivre derrière. Les autres pays vont suivre et les autres grandes puissances vont suivre. Oui, c'est prévu, c'est la suite, c'est la suite qui va être donnée à tout ça. C'est prévu, hein. On est sur les traces de ça. Hein. Ça va exploser en Europe, notamment, il y a des pays qui vont se réveiller. Le premier à s'être réveillé, c'est quand même l'Italie. Hein. Ça avance de ce côté-là, il y a du bon côté de ce côté-là. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que les Chinois, au même titre que les Japonais, ils sont tout à fait ouverts, ils sont prêts à collaborer, en fin de compte, avec les Américains, sur ce sujet en particulier. Oui, c'est comme si on attendait le premier qui allait se manifester officiellement et qui allait dire au reste du monde, « Bon, ben, nous sommes prêts, on y va, vous venez avec nous, on sait que vous êtes prêts, vous aussi, venez avec nous. » Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est un sujet qui va faire tâche, c'est international, donc il n'y a pas de souci, il y a d'autres pays qui vont rentrer dans le truc. On va rentrer progressivement dans le dur, il n'y a pas d'anguille sous roche justement, il n'y a rien. En fait, si on suit ça de très près depuis 4 ans, il ne faut pas aller chercher midi 14h, la petite bête, non. Il faut vraiment écouter et savoir lire entre les lignes de ce qui est dit par les différents intervenants, que ce soit Louis Elizondo, Melon, la classe politique. Bon, il y a des gens qui sont très informés. Toi, en ce qui te concerne, tu y crois, c'est ton droit. Hein. Mais merci infiniment pour cette réaction, hein, Bruno, qui résume tout ce que je pense, mais que je n'arrive pas à exprimer aussi facilement que toi. Mais moi, je suis sur la même longueur d'onde que Bruno, c'est clair. Pour moi, tout ça ressemble à un piège à con. Mais on peut y croire. D'ailleurs, il faut espérer. Il faut avoir, il faut espérer dans la vie. Il faut rêver. Ça permet de vivre aussi. Hein. Enfin, ça permet de s'attendre à des choses, tout ça. C'est indispensable. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais si on fait un retour sur le passé, que finalement ils ont caché la vérité... Ils veulent tirer un trait définitivement. Mais non, mais moi, j'y crois pas à ça. Oui, mais moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas à ça. Ce n'est pas une question de croyance. Il faut suivre l'actualité telle qu'elle est. Mais oui, mais l'actualité, pour l'instant, l'actualité, elle n'est pas pour les gens lambda, tu sais, qui font métro boulot. C'est clair, elle n'est pas visible. Les gens sont l'actualité pas est invisible. Ils s'en foutent royalement du sujet OVNI, des extraterrestres. Ils en rigolent. J'ai encore fait un repas samedi dernier. Ils en ont rien à cirer de tout ça. Ils ne sont même pas au courant de tout ce qui se passe aux États-Unis. Justement, parce que au 20h, il ne se passe rien chez nous. Il ne se passe rien, donc c'est tout à fait normal. Et d'accord, mais c'est bien beau que les gens, machin, qui se disent à la pointe du sujet ovni ufologique, qui suivent jour après jour tout ce que dit Luis Elizondo, tel un livre de Martine, tu sais, avec les différents livres de Martine, Martine à la plage, Martine au tennis, Martine au... Enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Bon, d'accord, mais en fin de compte, tout ça ne change rien pour le monde, pour les gens mais Olivier, royalement, faut bien... en fait, du phénomène OVNI. J'entends toi, ce que tu dis et je pense qu'il ne faut pas aller non plus dans l'extrême inverse. Ça reste quand même positif. Quoi qu'il arrive... ça reste positif. Il faut laisser une chance au produit. On va attendre. C'est encore tôt, de toute façon, pour y voir quelque chose. Je pense qu'on aura les fruits de tout ça dans 5-10 ans, peut-être. Mais c'est un début. Et effectivement, fallait bien commencer. Il faut bien commencer par quelque chose. Moi, je comprends tout à fait quand Eric il cherche cette information au jour le jour parce que il voit les progrès. Maintenant, si on se remet 15 ans en arrière, on nous aurait dit il y a 15 ou 20 ans
regarde ce qui se fait aujourd'hui, je ne pense pas qu'on l'aurait cru. Donc, effectivement, là, à l'instant T, on ne peut pas se rendre compte des effets. On va voir. Je suis sceptique aussi, moi le premier, sur les effets, mais je pense qu'il faut attendre quelques années et on pourra en reparler. On refera une émission spéciale numéro 48 et on se dira, ça y est, ce coup-ci, souviens-toi, il y a 10 ans, on en parlait, quoi. Moi, j'ai envie qu'il en soit, il y a beaucoup d'informations qui sortent et il y a de nouveaux personnages qui apparaissent justement dans ce film. Et depuis le début, donc, ils avaient prévu à peu près que le processus va durer encore 3-4 ans. Ils avaient prévu en gros 7 ans. Au bout de 7 ans, ça y est, on arriverait vraiment à bien contourner la chose et à savoir ce qu'il en était. Donc voilà, il faut pas être pressé. Ouais, d'accord. Sauf que. Mais là, on va dans le bon sens, parce que la communauté va commencer à mettre le grappin dessus. Oui, enfin, bon, Eric, ce qu'ils oublient quand même, la communauté ufologique qui maîtrise bien le sujet, elle oublie quand même que dans les années 60, tu sais, les années 50, tout ça, avec les différents projets qu'on a connus, hein, projet Blue Book, machin, nanana, enfin, tous les trucs voilà, qui oui, se mais sont en enchaînés. Fait, oui, après, je suis désolé, mais déjà, fait, les gens n'étaient pas au courant de tout ça, ils s'en foutaient aussi à l'époque. Oui, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est ça aussi, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Maintenant, avec les réseaux sociaux, l'actualité, elle va très vite. Tu vois, voilà, c'est tout de suite, c'est instantané, en fait. Dès qu'il y a une information, c'est instantané. Twitter, paf, on poste, hop, c'est sorti, machin. Avant, ce n'était pas comme ça, mais il faut rappeler quand même, je suis désolé, il faut le dire, qu'à l'époque, même l'armée américaine reconnaissait que ces objets étaient inconnus, que ça ne pouvait pas être les Russes ni les Chinois. Et là, qu'est-ce qu'on vit ? On vit exactement la même chose qui se répète. Ils nous disent que ce sont les mêmes choses qui sont derrière. Que dans les années 50 et 60. Ils connaissent strictement rien. Mais non, mais attends, tu vas pas me dire que c'est des clowns qui ont 90 ans, qui sont au pouvoir, à l'armée, à l'US Air Force. C'est pas des colonels qui ont 90 piges. Arrête. Enfin, je veux dire, ça n'a pas changé. La politique est la même. Ça ne va pas changer. C'est une question de sécurité nationale. Mettez-vous ça dans la tête. Sécurité nationale. Pour eux, oui, pour eux. C'est ben, en fait oui, mais c'est de démontrer, eux qui mais... dirigent, enfin, c'est eux qui contrôlent. Il n'y a pas de danger imminent. D'accord, mais ça, c'est au point de vue en fait, de nous. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Il n'y a pas de danger imminent. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Ça fait des pour moi, ce n'est pas quelque chose de... ces engins. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est menaçant. Voilà, je l'ai toujours dit dans mes émissions. Ça, c'est clair. Mais pour eux, c'est une question de sécurité nationale, et je rappelle que c'est quand même entre les mains de l'US Air Force, de l'armée. Donc, vous pouvez taper des mains et des pieds, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous retourner, machin, faire des roulades et compagnie, crier, faire les gilets jaunes et compagnie, tout casser. Les mecs, ils ne vont pas reconnaître qu'ils ont bloqué le sujet depuis 60-70 ans. Ils ne vont pas reconnaître ça, c'est rêvé, vous êtes en train de rêver. La Navy, c'est l'armée, et pourtant c'est bien de la Navy qu'on a eu des remontées d'informations. Eh oui, parce que la Navy, elle est en concurrence en fait, avec l'US Air Force. Tu sais, aux États-Unis, quand on comprend bien en fait, le système, même le FBI et la CIA ne sont pas du tout en accord. Il y a toujours eu des divergences. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est le 11 septembre. FBI et CIA, pourquoi ça a merdé ? À cause des divergences des deux agences, en fait. C'est toujours un bras de fer permanent. Voilà, donc du coup, tu vois, la Navy, elle n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que l'US Air Force, qui, je le rappelle, a le sujet entre les mains depuis 1947 avec le crash de Roswell. Mais pas seulement, on pourrait dire aussi, enfin, quoique l'US Air Force n'existait pas en 1942 avec la bataille de Los Angeles, donc on ne peut pas non plus exagérer, mais voilà, tout ça est un bordel sans nom, et je pense que, franchement, moi je crois qu'il faut arrêter de rêver, quoi. Tu vois, alors c'est bien beau les annonces, là, ça nous tient en haleine, machin, mais il n'y a que ça. En fait, avant Luis Elizondo, c'était qui ? C'était le docteur Salade. Le docteur Salade nous disait qu'à chaque année, il y aurait une divulgation. Eh bien, finalement, le docteur Salade, on attend toujours sa divulgation. C'était pareil pour Stephen Greer. Elle est où, la divulgation ? Ça fait quoi ? Ça fait 10 ans qu'on attend la divulgation. Moi, je n'y crois plus.
Voilà, c'est mon point de vue. Après, bon, vous pouvez rêver, vous pouvez attendre les petits grilles. Les... Ah, mais c'est... Ok, il n'y a pas de divulgation. Bah, alors, ça ne remet absolument pas en cause le phénomène. Là où je suis d'accord avec toi, Olivier, c'est que tout ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux et au peuple, avec un grand P, effectivement, même s'il y a une bribe de divulgation, comme elle est en train d'être au fur et à mesure, elle est en train de mise en place, ça ne changera pas grand-chose, effectivement, au gars lambda derrière son compte Twitter. Tu vois, je suis d'accord avec toi, hein, tu continueras à aller à des repas de famille, on continuera à se foutre de ta gueule, et tu auras beau dire, le président Biden, il a mis un budget pour un groupe qui s'occupe des ovnis, machin. Ça restera les petits hommes verts pour les gens, de toute façon. Tant qu'il n'y a pas un vrai phénomène de masse, comme il y en a eu un il y a une centaine d'années pour Fatima, tant qu'il n'y a pas ce genre de phénomène de masse, il n'y aura rien. Enfin, il n'y aura pas de prise de conscience. Mais je vais vous donner un exemple concret. Là, samedi dernier, j'étais chez mon meilleur ami. Bon, on a fait un petit repas, tout ça. Il avait invité un couple de trentenaires. Voilà, 31 et 32 ans, il me semble, hein, quelque chose comme ça. Bon, voilà, ces deux personnes qui travaillent au Luxembourg, ces deux personnes-là ne connaissent absolument rien à l'ufologie, aux ovnis, tous ces trucs-là. Bon, ils ont déjà entendu parler de ça, mais de très loin, tu vois. C'est quelque chose qui est de l'ordre du paranormal pour eux. C'est pas quelque chose, c'est pas un fait, c'est pas factuel, hein. Et quand tu expliques simplement qu'il y a eu un rapport qui a été remis par le Pentagone avec des conclusions allant jusqu'à dire que pour eux, ça ne peut pas être chinois et ni russe, eh bien, je vous le donne en mille, la réaction de ces personnes, et d'un côté, on peut le comprendre parce que ce n'est pas leur truc. Ils ne connaissent pas le sujet, ils ne maîtrisent pas les sujets, donc... Moi, je ne vais pas leur jeter la pierre. Je ne suis pas en train de les critiquer. D'ailleurs, c'est d'ailleurs un couple très sympathique, très gentil, tout ça. On a bien parlé. On a passé une très bonne soirée. Mais quelle a été la réaction de tout ça? Eh bien, ça a été le vide complet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction. On leur dit que ça ne peut pas être russe d'après donc le Pentagone et que ça ne peut pas être chinois. Mais la réaction, elle est néante. Voilà, c'est clair, ils s'en foutent royalement. Tant qu'on n'annoncera pas au journal de TF1 que c'est extraterrestre, on pourra faire ce qu'on veut, les choses ne bougeront pas. C'est mais est-ce que ça va leur changer la vie de toute façon? Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? On a tous les impôts à payer, le prix des carburants qui flambent. Tu vois, les gens, ils vont te dire qu'ils ont autre chose en tête. Nous, on est tombé dedans quand on était petit, j'ai envie de dire. Donc, ça nous a jamais quittés. Donc, on peut affronter n'importe quelle épreuve de la vie, le Covid, tout ce que tu veux. On aura toujours dans notre sac à dos les ovnis comme question fondamentale. Mais ces gens-là, tu peux pas arriver dans leur vie. Ils ont 35, 40 ans, il faut qu'ils payent la nounou, il faut qu'ils aillent chercher le gosse à l'école. Comment tu penses arriver à leur âge en disant « Voilà, les gars, les ovnis existent, ça a toujours existé, les extraterrestres nous visitent, voilà, c'est un fait. » Qu'est-ce que voilà. Eh bien... Comment veux-tu que ça change leur vie, tu vois? C'est ça que je veux dire. Non mais attends, en fait, Gérald... il y a pire que ça. C'est-à-dire que, encore à la limite, si c'était une incompréhension, si c'était parce que les gens n'avaient pas le temps de s'intéresser à ce sujet-là, qui est quand même, pour moi, hein, c'est clair, c'est le sujet le plus important qui existe sur Terre. Depuis la nuit des temps, depuis la création de l'homme, c'est le sujet OVNI, pour moi. Et je pense que c'est pour vous, c'est la même chose. C'est quand même, ça remet tout en question, en fin de compte, hein. Mais en dehors de ça, il y a des gens, même si tu leur dis que l'armée, tu vois, que tu leur expliques que l'armée, bah tiens, l'armée a dit que ça ne pouvait pas être chinois, que ça ne pouvait pas être russe, eh bien, eux ne vont pas croire l'armée américaine, tu vois, ça va encore plus loin que ça. Ils ont même des doutes quant à ce que disent l'armée américaine. Ils ne font même plus confiance à ce que dit l'armée américaine.
Donc, c'est même ça, phénomène, c'est si tu c'est prends la politique, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Mais oui, c'est bien plus personne n'a confiance dans les hommes politiques. Mais c'est clair, regarde demain, si tu as Emmanuel Macron qui va annoncer que oui, nous sommes visités par des ovnis, objets volants non identifiés, qui ne sont pas russes ni chinois, machin truc, mais là, tu as plein de gens qui vont lui tomber sur le dos, complot, machin, reptilien et compagnie, c'est clair. Ce sera marrant, au moins, personne ne va le prendre au sérieux. Oui, mais personne ne le prendra au sérieux. Donc voilà, donc tout ça, c'est bien beau d'en parler, c'est bien beau, machin. Je vais vous dire la vérité. Tant qu'il n'y aura pas de débarquement genre à la Independence Day, c'est-à-dire c'est ce que je te disais tout à l'heure. Officiel, ça n'a rien un débarquement de grande ampleur, eh bien en fait, il ne se passera rien dans la tête des gens. Sans parler de débarquement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il faudrait un phénomène de grande ampleur, comme il y a eu à Fatima en 1917, hein, c'est ça? Il faudrait ce genre de phénomène, un truc, voilà. Surtout que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est à l'avènement des réseaux sociaux. Là, il se passe un truc de cette taille-là, dans 10 minutes après, le monde entier est au courant. Donc, c'est ça, effectivement, c'est ça qu'il faut. C'est ça, c'était des phénomènes de préparation. C'était de la préparation, en fait, à l'époque. Oui, oui, et Bruno, cette préparation-là, si je peux me permettre, Olivier, on voit le président Biden sur l'image de Polyad qui est en train de signer, je suppose que c'est ce fameux document, espérons-le. Ce que ça signifie, c'est que s'il y a effectivement un phénomène qui est sur le point de devenir tellement important, vaut mieux déjà avoir des instances dans la gouvernance qui sont prêtes et qui disent « Voilà, nous avons notre truc d'étude qui était prêt, nous avons telle information. Notre truc sur Mars nous a ramené les carottes de sol martien. Et oui, il y a de la vie microbienne sur Mars où on en a trouvé les traces fossiles. » Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un aux commandes le jour où cette chose-là va survenir. Et cette chose-là, je suis d'accord avec toi, Gérald, il faut que ce soit d'une ampleur extraordinaire. Mais nous en avons eu, je pense que Jean va pouvoir en parler, nous en avons eu la vague belge de 1990. Marie-Thérèse de Brosse, j'ai écouté quelques trucs sur radio ici, et maintenant. Elle en parle, là, des deux F-16 qu'on envoie chasser l'immense ovni qui fait un rasmat au-dessus des maisons et qui disparaît à des milliers de kilomètres heure sans faire de bruit. On les a eus, on en a eu un à Montréal, du genre, tu vas en parler. Et qu'est-ce que ça fait dans la population? Rien. Seulement les gens qui sont intéressés par le sujet vont s'y accrocher. Même chose lorsqu'on entre en guerre, lorsqu'un pays entre en guerre, Tout le monde est sur le branle-bas, est sur au garde-à-vous, branle-bas de combat, et on envoie notre armée, les combats ont lieu, et à la maison, on parle de quoi? On parle aux États-Unis, on parle de la famille Kardashian, etc., comme on le faisait avant, même si les États-Unis ont passé 20 ans au Moyen-Orient en guerre. Alors, je pense qu'il y a ce facteur-là aussi. Il ne faut pas oublier non plus que les gens, peut-être, sont psychologiquement prêts à entendre l'information sans nécessairement l'avaler tout de suite. Ça fait maintenant 2 ou 3 générations que l'on baigne dans la science-fiction extraterrestre. OK? Je donne l'exemple de Star Trek. 3 saisons à la fin des années 60. Pouf, 2 mois après, l'homme met le pied sur la Lune. Et puis, oups, 1/2 série Star Trek, 1/3 série Star Trek, 1/4 série Star Trek, 1/5 série Star Trek, 1/6 série Star Trek, 1/7 série Star Trek et 1/8 qui va arriver au cours de l'année prochaine. Et ça, ce n'est que pour un canal, celui de Star Trek, qui nous présente un rapport politique avec d'autres espèces qui sont non humaines et qui habitent sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions, à d'autres époques. Alors, je pense que la masse critique dans l'imaginaire collectif, entre guillemets, si une telle chose existe, dans l'imaginaire culturel général en Occident, nous sommes prêts à entendre ces choses-là, comme nous sommes prêts à entendre qu'il y a de la vie microbienne sur Mars, et comme on sera prêts à entendre qu'il y a des traces de vie sur une exoplanète qui est à des dizaines de milliers d'années-lumière de la Terre, dans laquelle on va découvrir des gaz qui correspondent à une pollution industrielle, par exemple.
Ça peut arriver, mais la distance fait en sorte que le même argument contre l'arrivée sur Terre d'OVNI, c'est que, on a découvert qu'il y a une civilisation là-bas, très très loin, très très loin, de l'autre côté de l'océan. Non, de l'autre côté de notre branche de galaxie. Alors, l'imaginaire est prêt et il faut qu'il y ait une réponse qui soit prête, une réponse officielle. Que ce soit du pipeau ou pas, que ce soit une simple stratégie politique pour faire le troisième meilleur cheval de Troie de l'histoire de l'humanité. Le premier était le cheval de Troie. Le deuxième cheval de Troie, le second meilleur cheval de Troie de l'humanité, ça a été l'initiative de défense stratégique ou le projet Star Wars du président Reagan, ce fameux bouclier spatial de haute technologie qui a signé la faillite de l'Union soviétique, parce que non seulement ce projet relançait une nouvelle course à l'espace, mais une nouvelle course aux armements, ce que l'Union soviétique était absolument incapable de fournir au point de vue économique. Ça a pris 6 ans et l'Union soviétique était, pardonnez-moi, sur le cul. Alors c'est ça qui se produit peut-être. Ouais. Peut-être qu'on est face à un troisième cheval de Troie, avec cette histoire d'officialisation de l'information ouvertement, où là, tout à coup, quelqu'un a un intérêt politique, stratégique avec ce sujet-là. Ça reste à déterminer, mais on le verra. Mais autant Polyèdre et Gérald, vous avez raison, autant Olivier, tu as raison, et autant Jean, tu as raison, je lis dans tes pensées présentement, c'est que effectivement, moi, quand j'aborde cette question-là sous cet angle-là, c'est pour garder une petite fenêtre ouverte sur autre chose que tout ce qui nous arrive et que l'on... qu'on peut avaler maintenant à grande gorgée avec joie autour de la table. C'est festif maintenant, l'ufologie, depuis quelques mois. On peut faire des gorges chaudes, on peut avoir toutes les hypothèses, on arrive à toutes nos satisfactions personnelles et collectives dans le milieu, mais attention, il y a peut-être une petite chose qui peut nous échapper. Et je m'excuse d'avoir peut-être involontairement déclaré la guerre qui s'est terminée très rapidement entre Olivier et Polyèdre. Ce n'était pas mon but, mais Non, ce n'était pas une guerre. Non, mais c'est juste qu'il faut rester prudent, c'est tout. Voilà, restons prudents, parce qu'il y a plein de gens là qui s'avancent, qui pensent que la divulgation, c'est pour bientôt. Moi, je dis non. Et on en reparlera d'ailleurs, aucun problème. Mais ce geste officiel des Américains, n'est-il pas la reconnaissance de l'existence du sujet? On est devant une divulgation sans divulgation. On est devant la création d'un mécanisme à la traiter de ce qu'il y a dans une divulgation, sans dire qu'il y a une divulgation. Si je peux me permettre, présentement. Alors, messieurs, il y a Marie-Thérèse de Brosse. Alors, rapidement, il y a Marie-Thérèse de Brosse. Je voudrais juste finir sur une phrase. C'est que on parle de divulgation. Je pense que tout le monde n'attend pas la même chose, en fait. Si on parle de divulgation de l'existence du phénomène OVNI, elle existe, elle est en ce moment, on est dans la divulgation. Le phénomène existe puisque les États-Unis, la grande puissance qui jusqu'à maintenant refusait d'en parler, acceptent maintenant de dire effectivement ça existe. La divulgation existe. Malheureusement, il y a beaucoup de gens pour qui la divulgation, ça doit être... On est en communication avec les extraterrestres depuis 50 ans et il y a une fédération galactique. C'est ce que je voulais. Moi, je dis ça. On attend une divulgation hollywoodienne, n'est-ce pas? L'ampleur hollywoodienne des films et des émissions de télévision que l'on a vues qui nous ont transportés. Ça ne sera pas comme ça, probablement. Quand même, à la place, avant de donner la parole rapidement à Jean, parce qu'il faut qu'on prenne Marie-Thérèse de Brosse, là en ligne, qui m'a contacté. Moi, je ne dirais pas une divulgation, je dirais une évolution, parce que divulgation, il y a déjà eu divulgation. Ils ont reconnu qu'il y avait une soucoupe volante qui s'est crachée à Roswell, n'oubliez pas ça, en 1947. Oui. L'armée américaine a reconnu. Et l'armée américaine a toujours reconnu qu'il serait possible que ce phénomène OVNI soit extraterrestre. Ils l'ont dit, même dans des vieilles images, des archives, tout ça, que vous pouvez retrouver en noir et blanc, vous allez retrouver ça. Des officiers de l'armée américaine qui vont vous dire ça. Voilà, c'est pas nouveau, c'est ça que je veux dire. Mais vas-y, Jean, vas-y. Mais les gars, vous attendez une divulgation des États-Unis. Oubliez ça, là. La divulgation s'est faite au Canada par Wilbur Smith dans les années 50. Alors, lâchez-moi les États-Unis, qu'eux autres, c'est secret, secret, secret. Ils sont comme des magiciens, hein. Regardez dans la main droite, mais ce qui se passe, c'est dans la main gauche. Fait que, attendez-vous pas aux États-Unis, oubliez pas qu'on en a su plus sur la Lune
par les sondes chinoises en 2-3 ans que pendant 30 ans avec les États-Unis. Tabarouette, lâcher les États-Unis. Eux autres, c'est le sacro-saint secret. On ne veut rien vous dire. On a tout, mais on ne vous dira rien. Fait que, les gars, si vous attendez en cours les États-Unis, vous allez attendre une maudite secousse. Et ce que ça dit, ce que Jean dit, est très juste parce que l'impérialisme américain se rend jusqu'en ufologie. Et parce que la production cinéma qui parle du sujet, mais de façon, par le biais du divertissement au cinéma, c'est essentiellement américain. Toute la question de la divulgation aussi, ou ça, tout ça, c'est encore sous la forme américaine de la chose, et tout le monde regarde les États-Unis et attend une réponse des États-Unis. C'est le triomphe des États-Unis du 20e siècle qui se poursuit, c'est l'hégémonie dans l'imaginaire des États-Unis. Tout le monde aime les États-Unis au cinéma, les Américains aussi font ça. C'est une démonstration, encore une fois, de l'hégémonie américaine, malgré le travail extraordinaire qui s'est fait en France avec le rapport Cometa, avec le GEPAN, le GIPAN, enfin, vous me comprenez, ça demeure toujours, on est toujours en train de... Messieurs, là, je dois appeler Marie-Thérèse qui nous attend, donc je coupe l'enregistrement et je vais reprendre l'enregistrement avec Marie-Thérèse de Grosse. Hein. Marie-Thérèse, bonsoir. Bonsoir Olivier. Ravi de vous recevoir une nouvelle fois, et cette fois-ci aux côtés de mes amis et chroniqueurs de l'émission spéciale, dont certains que vous connaissez comme Michel. Alors, non, Michel n'est pas parmi nous, justement. Oui, ça, je voulais vous le dire. Il est absent, pour cause personnelle, mais il aurait voulu être là, mais malheureusement, il est souffrant. Donc, on lui souhaite un très bon rétablissement à Michel. Mais par contre, je sais que vous connaissez Bruno. Un petit peu, on va dire. Et indirectement, je l'y connais. Très d'union connaît. Voilà. Alors ce soir, vous allez nous parler du cas de Jason Andrews, une abduction qui, je dirais, alors si j'ai bien compris, a été accompagnée de paranormal, hein, de faits paranormaux. Alors, je vais essayer de vous la faire brève parce que c'est un dossier très 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 tordu. Je précise que j'ai eu la connaissance de Jason Anglais par quelqu'un de tout le monde ici qui est... c'est bien. Tom. Le directeur des enquêtes de UFO Magazine en Angleterre, à Londres. Ah, ça me dit rien. Hein. Tony Dodd. Dodd. Bon, alors, d'accord. Dodd, personnage très sympathique, c'est un ancien de la RAF. Il était 5 ans à la RAF. Et 28 ans dans la police. Et comme il a fait une observation OVNI, une superbe observation OVNI, en tant que militaire, avec des hommes d'ailleurs, ça l'a complètement bouleversé, il a commencé à creuser le sujet. Et il a tellement creusé le sujet, ça l'a tellement passionné qu'en dehors de son boulot, c'est lui qui dirigeait le département des enquêtes de UFO Magazine. Donc, ça veut dire qu'il en a vu passer toutes les couleurs. Personnellement, je ne veux pas avoir l'air d'être ingrate parce que Dodd a toujours été charmant avec moi, très accueillant, il m'a ouvert ses dossiers, etc. Je le trouvais un peu crédule pour un policier, un peu naïf. Mais ça ne regarde que moi, hein, c'est mon point de vue. Mais c'est lui qui m'a parlé du cas de Jason. Tony avait lu mon bouquin sur les enlèvements. Il l'a fait traduire parce qu'il ne parlait pas français. Il avait été très excité. Il me dit, oh, c'est un bouquin formidable. Enfin, quelqu'un qui travaille sérieusement là-dessus. Mais quel dommage que vous ne connaissiez pas Jason. Et il m'explique le cas de Jason. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai une méfiance. Mais je pars du principe que quand on travaille sur un sujet, il vaut mieux se déplacer sur un mauvais coup, quelque chose qui s'avère être sans intérêt, que de ne pas se déplacer pour quelque chose qui aurait pu être très bon. Donc, moi, je prends mes risques et j'y vais. Donc, je prends rendez-vous avec la famille Andrews, qui à l'époque vivait à Leeds. Ce sont des maniaques du déménagement, ils n'arrêtent pas de bouger. Et très gentiment, Madame Andrews,
Anne, me dit « pas question que vous habitiez à l'hôtel, venez habiter chez moi, etc. » Et j'ai dit « non, 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 puis oui, oui, oui. » Et puis, je sais, enfin, tous les gens qui ont travaillé sur les enlèvements doivent savoir, un enlevé, ça ne se cuisine pas avec quatre questions comme ci, comme ça. Il faut les voir vivre, il faut les voir réagir. Il faut voir les rapports qu'ils ont avec leur environnement, les événements, les animaux. C'est tout à fait extraordinaire. Et quelquefois, pour avoir un parler vrai d'un abducté, il faut beaucoup de patience. Donc, c'est quand même bien mieux d'être à domicile. Donc, j'arrive dans leur petite maison et je suis accueillie par un couple assez surprenant parce qu'ils avaient chacun, Anne et son mari Paul, ils devaient avoir 2,30 m de tour de taille. Mais fort gentil, avec un accent cockney extraordinaire. Et ma méfiance s'accroît quand je vois la bibliothèque, parce que je vois des tas de bouquins. Bon, je ne vais pas les juger, tout le monde peut se divertir comme on peut, mais je me dis, aïe, 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 s'ils se farcissent la tête avec ça, qu'est-ce que ça va donner? Donc, j'étais quand même très sur mes gardes. On passe une soirée tout à fait agréable, vous savez ce que c'est quand on fait connaissance. Jason, le sujet en question, était à l'époque un adolescent, assez agressif, assez silencieux et couvert de boutons, ça c'était la puberté. Il me semblait un peu bloqué et on décide de ne pas rentrer dans le cœur du sujet et d'attendre le lendemain. Donc je passe la nuit dans ma chambre et pendant la nuit, une chaleur épouvantable. C'était au mois de juin. Alors, j'ouvre la fenêtre, il faisait beaucoup moins chaud dehors que dans ma chambre, et je me dis, c'est fou, on n'a quand même pas mis le chauffage. Je mets ma main sur le mur, le mur était brûlant. Je sors sur le palier, c'était une maison. Et donc, ma chambre était au premier étage, à côté de la chambre de Jason. Et je sors sur le palier, et je vois un robinet, un radiateur. Donc, je veux quand même le fermer, parce que cette chaleur est agréable. Le radiateur n'est pas chaud. Mais le mur est brûlant, le mur de la chambre de Jason. Je trouve ça très bizarre. Bon, moi, ça ne me regarde pas, je ne dis rien. Et le matin, quand je descends pour prendre mon petit déjeuner, Anne Andrews me dit très gentiment, « Est-ce que vous avez bien dormi, Marie-Thérèse ?» J'ai dit, écoutez Anne, ça ne me regarde pas, mais pourquoi est-ce que vous chauffez tellement la maison? C'était intolérable. Ah, elle me dit, c'est normal, c'est toujours comme ça. Quand Jason se fait enlever, il s'est fait enlever cette nuit. Blanc. Bon, je le prends. Alors, avant de rentrer je vous résume l'histoire. Est-ce que vous connaissez Jason Andrews? Certains de vous la connaissez? Bon. Alors, le cas de Jason est assez bizarre. Cette famille est très modeste. Jason a un frère qui s'appelle Daniel. Jason a 4 ans, c'est un enfant très particulier. Il est assez farouche, assez indépendant, avec des tendances à piquer des crises de colère. Et un soir, lorsque c'est son anniversaire, il fête ses 5 ans, il est en famille. Il y a des coups violents qui frappent contre la porte d'entrée, contre la fenêtre et contre le toit. Le père est inquiet, se lève, et Jason, qui est un enfant, il a 5 ans, dit « Ils sont venus me chercher, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. » Personne ne comprend rien à cette salade, et Jason essaye de sortir, et son père, évidemment, l'en empêche. Il y a des tremblements de plus en plus violents de la maison, et d'un seul coup, Jason entre dans une transe et se met à débiter comme une machine. Je vous précise, évidemment, je n'étais pas là, hein, c'est ce qu'on m'a raconté, mais enfin, ça semble vrai cette histoire. Se met à débiter non seulement une cascade de chiffres, mais des équations, des théorèmes et des formules assez compliquées parce qu'il y avait des virgules avec des décimales de 7 ou 8 chiffres. Et la famille est muette de stupeur. On ne comprend pas ce qui se passe.
et Jason tempête toujours. Ils sont venus me chercher, ils sont venus me chercher. Bon, fin de l'épisode. Le père appelle la police. La police vient. Il n'y a rien. Il n'y a personne. Il n'y a pas de traces de pneus devant leur maison. Il n'y a pas de traces de voiture, je veux dire. Les volets et la fenêtre n'ont pas été abîmés. Mais la famille est sous le choc. Est vraiment terrifiée. Bon. Les affaires vont continuer de temps en temps. Jason a un comportement très bizarre. Et c'est comme s'il n'avait pas entièrement confiance à sa mère et ne veut rien dire. Visiblement, il y a quand même un petit côté un peu spécial dans la famille parce que Jason a un compagnon imaginaire. Il ne voit pas souvent, mais enfin, il a son compagnon imaginaire. Mais Anne, sa mère, a aussi un compagnon imaginaire, mais évidemment, on ne parle pas de ça. Parce que c'est dans le non-dit, on ne peut pas dire « quand je suis seule dans ma chambre, je m'ennuie, j'ai une copine qui vient », dirait Anne, ou Jason dit « quand je suis seule, j'ai un soldat qui vient ». Donc tout ça, c'est dans le non-dit. Les aventures de Jason deviennent vraiment catastrophiques et tout à fait incompréhensibles. Alors c'est là où je me méfiais, parce que Todd avait un dada. C'était le dossier des mutilations animales. Il avait beaucoup travaillé sur les mutilations. Et comme par hasard, dans les enquêtes sur lesquelles il travaillait, il y avait toujours des histoires de mutilations. Moi, je reconnais que lorsque j'ai vécu aux États-Unis, j'ai été enquêtée sur des histoires de mutilations, ok. Mais aucun des cas sur lesquels j'ai travaillé, qui étaient des cas d'enlèvement ou des cas d'ovnis, n'est venu s'interférer une mutilation animale. Je trouvais ça quand même étrange. Notamment Jason. Jason, comme tous les Anglais, ils ont un rapport très sympathique avec les animaux. Et Jason adore monter à cheval. Et donc, il avait une jument. Et ses rapports étaient très étranges avec cette jument. Il disait à sa mère, qui lui disait « tu es imprudent », il lui dit « non, non, je risque rien, elle me protège ». Et Anne, en bonne mère de famille, lui dit « c'est pas au cheval de te protéger, ça ne doit pas faire des bêtises avec lui ». Et un jour, évidemment, Jason a un superbe accident de cheval, devant sa mère qui est affolée. Il se relève indemne, mais, là j'ai vu les photos, mais la jument a une longue estafilade très très propre, qui fait toute l'encolure et qui fait à peu près 40 cm. Je ne pense pas qu'ils aient poussé le vice jusqu'à faire une fausse photo d'estafilade sur l'encolure d'un cheval. Ça me semble tout à fait inenvisageable. Bon. Donc, Jason a tout le temps des histoires bizarres, que sa femme, que sa mère ne sait pas comment prendre, que son père ne sait pas comment prendre. Et c'est là qu'intervient Todd. Todd leur dit, mais vous savez, il y a des cas d'enlèvement, il faudrait peut-être que votre enfant voit un spécialiste. Moi, personnellement, je n'irais jamais dire à un enfant qui ne connaît rien à tout ça, tu as été enlevé par des extraterrestres. Ça ne me viendrait pas l'idée, mais enfin, chacun procède comme il veut. Et effectivement, on fait rencontrer Jason, avec une psy plusieurs fois. Et cette psy est perplexe. Elle dit, non, mais c'est évidemment, ça n'existe pas d'être enlevé par les extraterrestres, je ne sais pas pourquoi on lui parle de ça, c'est pas sain. Mais quand même, votre fils est quand même très spécial. Alors, pour vous montrer à quel point il est spécial, ça, j'ai pu faire une contre-enquête à l'école du village. Jason est ce qu'on appelle un garçon électrique. Vous savez, nous avons eu dans l'histoire de la parapsychologie en France un personnage formidable qui s'appelait Angélique Cotin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Angélique Cotin, on l'a surnommée la fée électrique. C'était une boule d'électricité à elle toute seule. Jason était une pile électrique à tel point qu'il se faisait de l'argent de poche comme ça. C'est-à-dire qu'à l'école, il permettait à ses copains de le toucher
Et chaque fois que les copains recevaient une décharge électrique, Jason recevait 10 pence. Et pour un petit garçon, à l'époque, il se faisait un petit pactole comme ça. Mais ce n'était pas la seule de ses aventures. Alors, il prétend... Alors, quand même que je vous donne une autre chose qui m'a puce à l'oreilliser vraiment, et c'est là où j'ai pris son cas au sérieux. Je commence à parler avec lui assez difficilement parce qu'il cherchait à me provoquer, etc. Et je veux prendre une photo de lui. Non, à l'époque, on n'avait pas son iPhone avec son appareil, donc je me baladais toujours avec un Olympus et un Pentax. J'avais un appareil pour les photos couleurs et l'autre pour les noirs et blancs, comme ça je pouvais changer sans m'embêter. Et je dis à Jason, je vais prendre une photo. Il me dit non, je ne veux pas. Donc, je dis, écoute, Jason, ne m'embête pas. Je suis venu de Paris pour te voir, tu ne vas pas m'empêcher de prendre une photo de toi. Mais tu veux voir si je ne t'empêche pas. Et je prends mon appareil de photo, pas de photo. Une fois, deux fois, trois fois. Je change, je prends mon autre appareil qui était en noir et blanc. Je peux vous dire, depuis tant que je cours le monde, si je n'ai pas pris 100 000 photos, je n'en ai pas pris une. Alors ça commence un peu à me déranger. Et Anne, donc la mère, dit à Jason, tu n'es pas gentil, tu devrais permettre à Marie-Céleste. Ah oui, il ne pouvait pas prononcer mon nom, il m'appelait Marie-Céleste. Comme le célèbre bateau qui a disparu, je trouvais ça très rigolo. D'ailleurs, dans son bouquin, Anne Andrews m'appelle Marie-Céleste, d'ailleurs. Et Anne lui dit, écoute, sois gentille, permets à Marie-Thérèse de te photographier. Bon, d'accord, fait Jason une fois. J'attrape immédiatement mon appareil et en l'attrapant, j'appuie sur le déclic. Et quand je veux photographier Jason, je ne peux plus. Il m'a dit, je t'avais dit une photo, pas deux. J'ai jamais pu le photographier. Ça ne fait partie qu'une des aventures que j'ai eues avec Jason, qui est un festival de poltergeist, lui tout seul. D'ailleurs, on voit très souvent qu'il y a toujours beaucoup de phénomènes psy, enfin pas toujours, presque toujours, des phénomènes psy autour des abductions. Le phénomène classique auquel j'ai assisté, moi j'aime mieux assister aux choses que vous me les racontez. Nous étions en train de parler tous les quatre et la radio, sans que personne n'y touche, se met en route. Maintenant, on peut déclencher une radio qui se met en route quand on le veut. Mais ça, c'était en 1993. Je pense qu'on ne pouvait pas déclencher la radio quand on voulait. Et qu'est-ce qui sort ? Une chanson de David Bowie qui parle des aliens. Et je lui dis, comment est-ce que vous avez mis votre radio en route ? Elle me dit, ah oui, ça s'est ennuyé avec la maison. C'est que les appareils se mettent en route tout seuls, que ce soit le fer à repasser, la cuisinière, vous n'imaginez pas le nombre de linges que j'ai brûlé, etc. Donc, je me retrouvais tout à fait dans le contexte que j'avais connu quand je travaillais sur les phénomènes parapsychologiques, où j'allais voir des maisons à poltergeist. Bon. Alors, une autre anecdote, alors là, ça c'est quand même très curieux. Jason et sa famille avaient des rapports très bizarres également avec tout leur environnement. Ils ont été cambriolés plusieurs fois. Et le cambriolage, c'était des gens très modestes, donc il n'y avait rien de prestigieux à prendre chez eux. Le cambriolage était toujours bizarre. C'était régulièrement la correspondance de Anne et surtout le journal de Jason qui disparaissait. Qui est-ce qui peut s'intéresser au journal d'un gamin, il avait quoi, 15-16 ans à l'époque, qui écrivait beaucoup sur les ovnis, qui s'intéressait à tout ça, risquer un cambriolage et des ennuis avec la police pour prendre le journal de Jason, ça ne me semblait pas très convaincant. Or, à force de parler avec lui, j'ai eu une idée, et c'est là que je vais vous montrer une chose très bizarre. Est-ce que vous avez entendu parler d'une abductée
australienne qui s'appelle Tracy Taylor. Alors, Tracy, c'est un cas absolument fantastique. Je suis désolée, je peux sauter comme ça. Olivier, vous me dites si ça ne vous va pas. Hein. Ah non, 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 allez-y avec plaisir. C'est vous qui décidez ce soir. Vous êtes notre invité d'honneur, donc c'est vous qui décidez. Allez-y, on vous écoute religieusement. Tracy Taylor est une fille hyper douée, une petite gamine, jolie, d'une très bonne famille, de la très bonne bourgeoisie australienne, et qui a eu toutes sortes de démêlés avec les extraterrestres, dans une famille où il n'était pas question d'en parler, d'autant que le père était psy. Tracy également avait un compagnon imaginaire. Tracy s'est fait enlever plusieurs fois alors qu'elle n'avait jamais entendu parler d'enlèvement. Elle ne pouvait pas en parler avec son père qui lui disait « Mais écoute, tu inventes, ma petite fille, tu as trop d'imagination. » Tracy est une fille remarquablement intelligente et qui a un regard comme un laser. Vraiment, elle ne se laisse pas raconter d'histoire. Comme elle était en plus ravissante, elle a tous les atouts dans son jeu. Elle a décidé de quitter l'atmosphère familiale. Elle avait gagné un concours, elle était mannequin. Moi, elle n'était évidemment pas à l'aise dans le milieu de la mode. C'est une fille intelligente, qui a des recherches, etc. Et elle s'est mise spontanément à faire des dessins tout à fait extraordinaires. Des dessins, elle dit que ce n'est pas elle qui dessine, hein, que c'est sa main qui dessine, qui défile un petit peu les possibilités humaines. Je vais par exemple vous en montrer un. Malheureusement, j'ai fait une mauvaise photocopie. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez le dessin, là? Alors, il faut la monter un peu plus, monter voir un peu plus le dessin. Voilà, parfait. Alors, vous voyez, par exemple, que vous avez un triangle, mais quand vous regardez de près, vous voyez qu'il ne traverse pas quelqu'un qui va faire des lignes, à moins qu'il retravaille et qu'il gomme. Il devrait y avoir des carrefours qui se voient. Là, vous voyez, comme le dessin est curieusement fait. Elle le fait à la main levée. Je l'ai même fait dessiner à titre de test. J'ai eu l'idée de la faire dessiner chez moi en lui mettant une feuille de papier sur un plateau qui était sous la table. Donc, elle ne pouvait pas voir ce que sa main dessinait. Et elle a continué à faire, sans se planter, cet enchevêtrement, vous voyez, de ligne droite. Moi, déjà, en voyant, je me planterais, je serais obligée de gommer, etc. Elle, sous la table, fait. Bon. Ça, puisque je suis dans les dessins, c'est à titre de curiosité. Ça, c'est un dessin de Anne. Voilà, c'est assez effrayant comme portrait. Hein. Vous allez voir comme tout se tient, c'est très rigolo. C'est l'homme lion qui vient souvent l'enlever. Et ce qui est très curieux, c'est que dans les dessins que fait Tracy, j'ai retrouvé des motifs qu'on retrouve dans l'archéologie aztèque. Or, elle n'avait pas du tout étudié l'archéologie aztèque. Vous me direz, il y a toujours des problèmes de souvenirs inconscients. C'est-à-dire, on peut lire un livre, honnêtement croire qu'on a oublié, mais on a des réminiscences inconscientes qui viennent. Ce mois-là, elle m'a dit non, non, pas du tout. Dieu sait que j'aime les arts, etc. Je ne connais absolument pas tout ce qui est dans l'Amérique du Sud. Je ne connais pas. Bon, alors nous pouvons lui laisser la possibilité d'avoir accès à une source qui l'illumine. Mais quand Jason me dit que les cambrioleurs qui rentrent dans sa maison pour voler son journal, ça ne sert à rien parce qu'il écrit en écriture extraterrestre. Alors évidemment, je lui dis « Ah bon, tu écris en écriture extraterrestre ?»« Oui, oui, oui. »« Ah bon, est-ce que tu pourrais écrire devant moi ? Ça m'intéresse. » Si tu veux, tu comprendras rien. Ça ne fait rien écrit. Et là, il se met à gribouiller sur une feuille de papier. Et tout de suite, moi, j'ai un choc. Parce que les gribouillis qu'il me fait sont semblables, mais très pour très,
à ceux que dessine Tracy Taylor, qui vit au fin fond de l'Australie. Et lui est à Leeds, les bains de pieds en Angleterre. Alors je lui écoute, je te fais confiance, tu me dis que c'est l'écriture extraterrestre. Je connais une personne qui peut comprendre. Bon, vrai, il n'y a que moi, etc. Et si tu veux, on va faire un petit test. On va envoyer un email à quelqu'un que je connais en Australie. Moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas ce que tu lui dis. Tu lui envoies, on lui envoie la photocopie et elle te répond et tu me dis simplement ce qu'elle t'a répondu. Alors, on envoie le mail, les gribouillis que je vais vous montrer. Et retour de Belle, le même gribouillis auquel je ne comprends rien. Et les gribouillis disaient, comment est-ce que tu as osé montrer notre écriture à quelqu'un? Et Jason me dit, il faut que je la connaisse. Alors je précise qu'à un moment, voilà les gribouillis. Alors je le mets sur un fond blanc pour que vous le voyez. C'est pas joli, mais ah oui, c'est des diapos que j'avais fait. Voilà. Alors voilà le mail qui a été envoyé. Vous le voyez là? Je me rends pas compte puisque je vois pas mon image. Vous voyez ou non? Alors mettez re-bien, montez un tout petit peu et recentrez bien l'image. Voilà, plus vers la gauche. Non, là c'est trop près. Là c'est beaucoup trop près. Reculez voir, reculez. Tout le monde voit ici, oui. Voilà. Comme vous pouvez voir, au début, il y a marqué To Tracy, Dear Tracy, please do not translate to anyone. Best regards, etc. Bon. Pour moi, puisque c'était du lard ou du cochon, j'en savais pas trop grand-chose. Mais je dois avouer que lorsque Tracy, du fin fond de Melbourne, non, elle était à Perth à ce moment-là, de Perth, renvoie le même genre de gribouillis, il n'avait pas eu le temps de. Il n'y avait pas eu de mise en scène de possible, si vous voulez. Il n'avait pas pu combiner un truc pour vous duper. Ça me rend assez bizarre. Donc, Tracy et Jason décide qu'il faut qu'ils se rencontrent puisqu'ils parlent la même écriture extraterrestre. Je vous signale qu'on a très peu travaillé sur les écritures extraterrestres. Il y avait un Anglais avec qui j'étais en rapport. J'avais un certain nombre de spécimens. Et Bud Hopkins, que j'avais beaucoup, m'a dit « Marie-Thérèse, ne le publie pas parce qu'il faut garder ça pour la recherche. Si tu commences à faire circuler ça, tout le monde va en fabriquer, etc. » On garde ça pour la recherche. Il y a des choses qu'il ne faut pas diffuser. Et j'ai trouvé ça très bien. Bon, alors là où l'histoire avec Tracy devient complètement formidable, et là vous pourrez vérifier avec quelqu'un que vous connaissez tous, qui a la femme, l'Australienne qui dirige le CERN, Mary Rodwell. Ça vous dit tous quelque chose, Mary Rodwell? Non? Non, non. Si, moi j'ai déjà entendu parler Mary Rodwell, non, c'est quand même un personnage. Si, c'est quand même. Oui, j'ai déjà entendu parler. Ouais. Alors, Mary Rodwell, elle dirige une association qui vient en aide aux enlevés. Petite femme intelligente, elle a beaucoup de. Elle a un groupe de recherche. Elle a publié un bouquin que je vous recommande quand même, Awakening. Désolée, pardon. C'est pas grave. Excusez-moi, c'est le téléphone. Allez-y. Je voulais l'avoir coupé. Donc, Mary Rodwell avait vu Tracy et trouvait Tracy absolument passionnante. Bien. Et quand je bavarde avec Anne et toute la famille Jason, je parle de Tracy, etc. Il faut que j'aille la voir, etc. Et
Anne me dit, bon, dans ce cas-là, je sens qu'il faut que j'y aille. Ils décident, comme la famille Fenouillard, ils décident tous de partir ensemble en Australie. Ils n'ont pas de moyens. J'ai une bonne copine qui vit en Australie. Elle s'appelle Isabelle de Beaumont. Moi, je dis les noms parce que les histoires, on peut les vérifier. Isabelle s'occupe, elle travaille beaucoup avec les aborigènes, elle s'occupe d'art aborigène. Et me dit, sans problème, si tu veux que je les loge. Un cœur, cette femme. Et Jason, toujours très, très sûr de lui, « Oh, mais je ne sais pas, je vais aller en voyage astral chez elle, voir si ça me plaît. » Vraiment, le petit péteux, on dirait. Pas très sympathique, mais il faut dire qu'il est quand même très intéressant, il a quand même des excuses. Il prétend qu'il a été en voyage astral chez mon amie Isabelle, que ça lui plaît tout à fait, que ça se passera très bien. Bon, alors vous voyez, l'Angleterre, la France, l'Australie, Hopkins aux États-Unis, tout ça c'est assez rigolo. Mais quand Jason arrive en Australie, il demande bien sûr à rencontrer Tracy. Et la rencontre se fait sous l'égide de Mary Rodwell. Et là, il se passe quelque chose. Mon amie Isabelle me dit, j'ai jamais vu ça. Ils étaient tout le temps l'un avec l'autre. Ils ne se quittaient pas. Personne ne savait ce qu'ils faisaient, où ils disparaissaient. Bon, c'était deux univers complètement différents. Et vous allez voir pourquoi j'insiste sur le complètement différent. Tracy, la haute bourgeoisie friquée d'Australie, très respectable, un milieu où les gens ont tous fait des études, sont médecins, etc. Elle ravissante, raffinée. Et ma famille de Copenay, avec des... Il lui est arrivé la même chose d'ailleurs qu'à moi, avec le père et la mère comme ça, Isabelle me disant, comme toi, j'ai voulu les inviter au restaurant, ils n'ont pas voulu. Parce que quand... Anne m'a dit « Vous habitez chez moi ?» J'ai dit « Pas question, je suis chez eux. » Donc, je leur dis « Écoutez, bien sûr, je vous invite tous au restaurant. » Anne me dit « Pas question. » Je crois que c'est par discussion. Je lui dis « Écoutez, ça me ferait plaisir. » Elle me dit « Pas question, j'ai un régime très strict et je ne peux absolument pas, ce que je vous dis, je l'ai publié quand même, je ne peux absolument, et elle l'a également dit dans son livre, Anne, je ne peux absolument pas déroger. J'ai un régime très, très strict. Et moi, je pense, vu qu'elle est, je vous dis, 2,50 de tour de taille, je lui dis quand même, vous savez, dans tous les restaurants, on trouve des choses légères ou véganes. Non, mon régime. Vous n'aurez jamais, ce que je l'ai vu, engouffré à l'heure du déjeuner. Ici, l'écoute de cette émission, salut Anne. 8 saucisses, une ventrée de lentilles et de pommes de terre, qui aurait nourri une classe de garçons de 15 ans, vous comprenez. Et elle m'a dit, la quantité que je dois prendre, il ne faut absolument pas que je déroge. Elle a fait le même coup en Australie. Bon, pour vous dire qu'on est dans un univers quand même assez, assez particulier. Alors, Par contre, il y a des petits bruits, ouais, c'est des notifications, je pense, non, sur le téléphone. Hein. Je les ai bloqués. Ça y est, éteint, pardon. Ah, merci. Alors, allez-y. Je peux vous en parler pendant 100 ans. Le problème qui se pose, parce que, ben oui, quand même, Jason, qui maîtrise, dit-il, j'ai l'air d'être très sceptique. Maintenant, je le suis moins que je l'étais au début. Mais au début, j'étais très violemment sceptique, hein, je ne vous le cache pas. Qui maîtrise le voyage astral, qui sort de son corps comme je sors de ma chemise de nuit, enfin, il peut tout faire. Il a de temps en temps des intuitions fulgurantes et il prétend que lorsqu'il se passe des événements graves, il se déplace pour aider les gens qui sont accidentés. Or, quelques jours, il ne faut pas établir évidemment mal les liens de cause à effet.
peu de temps avant le 11 septembre. Il dit à sa mère en Angleterre, et je veux dire encore famille très modeste, qui ne dit pas les journaux, bon, il va se passer quelque chose de très grave. Il ne faudra pas me déranger la nuit, j'aurai beaucoup de personnes à aider. Sa mère le regarde, il n'y a pas d'accident de la circulation, il n'y a pas de train qui déraille. Et arrive le 11 septembre. Alors, je ne peux évidemment rien vous dire. Bien sûr, Jason s'est empressé de dire que il avait passé tout son temps à aider les gens. Moi, je ne peux que vous rapporter les propos de Jason, qui de temps en temps aimait bien se mettre, c'est curieux, c'est un curieux mélange, il aimait à la fois se mettre en scène, il était assez fier de lui, et de temps en temps il voulait vraiment qu'on lui foute la paix. Mais quelqu'un d'autre qui pourra vous attester des dons, tout au moins des facultés psy de Jason, c'est, vous la connaissez, je crois, Olivier, c'est Paola Harris. Oh que oui, et Dieu sait que j'ai parlé d'elle ces derniers mois, si on peut dire ça comme ça. Hein. Un peu tous les deux le même point de vue, donc nous n'en épiloguons pas, mais Paola Harris a fait une émission à laquelle elle a invité Jason. Ah. Alors elle a interviewé Jason, qui raconte des choses, etc. Et à la fin de l'émission, Paola dit à Jason, sois gentil, Jason, tu m'as dit que tu ne voulais pas, mais juste pour les spectateurs, fais-nous une démonstration de tes pouvoirs. Et Jason lui dit non, je t'avais dit que non. Puis il regarde et dit bon, l'émission est terminée. Donc tu n'as plus besoin de caméra, tu n'as plus besoin d'appareil de photo, bah regarde un peu ce qui va se passer. Et à ce moment-là, il s'est filmé, ça s'est très pas filmé longtemps, toutes les caméras se sont éteintes. Le type n'a pas pu filmer, si ce n'est qu'on a vu quand même une séquence où on a vu les lumières qui s'éteignaient. Et vous avez, la séquence a été filmée et Paola l'a enregistrée et l'a diffusée. Bon, c'est vous dire que ce n'est pas un cas tout simple. Alors, les voyages de Jason, parce que il faut bien voir que le scénario type des enlèvements a continuellement évolué au fil du temps, de même que la forme des entre guillemets ovnis, ça bouge au fil des années. Alors Jason faisait partie de la génération d'enlevés qui faisait des tours en soucoupe. Je ne sais pas si vous vous souvenez le scénario archétypal qu'avait proposé Bellard, le folkloriste pour les enlèvements. Il disait, ça commence, il y a 6 épisodes, il y a la lumière, la montée à bord du vaisseau, etc. Et la visite du vaisseau, la conférence du capitaine, l'aérophanie, etc. Et Jason fait partie de cette génération qui a eu la chance de faire un tour en soucoupe. Et lui décrit absolument toujours les mêmes choses. D'ailleurs, ce sont des villes cristallines, complètement différentes, etc. Moi, je dois reconnaître que les abductés que je continue à recevoir maintenant ne me parlent plus de ces visites. Voilà, c'est comme ça. Bien. Je pourrais en parler pendant 7 ans. Si vous voulez me poser des questions, si vous avez envie de discuter, je ne veux pas vous utiliser la parole. Hein. Alors justement, là, messieurs, profitez-en pour poser vos questions. Allez-y. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit Marie-Thérèse Debrosse. Ah, je me reçois tous les jours, sans problème. Et que surtout, c'est la spécialiste du sujet. Alors, allez-y. Qui veut réagir en premier, alors? Bruno, vas-y. Marie-Thérèse, bonsoir. Merci d'être avec nous. J'aimerais simplement revenir sur un détail qui est le dessin de l'homme lion qui venait chercher. C'est le dessin, c'est la représentation d'un personnage de la télévision américaine des années 80-90 qui est The Beauty and the Beast. Et The Beast était joué, je crois, par l'acteur Ron Perlman.
Et il avait vraiment ce maquillage avec le latex, cette chevelure-là, et il était la représentation inaccessible du romantisme. Là, on essayait de faire ça avec cette série particulièrement sirupeuse. Alors, c'était l'observation de ça. Et d'autre part, si la personne en question dont le nom m'échappe était assez vieille à ce moment-là pour avoir peut-être vu une émission comme ça, pour qu'on lui présente une figure connue et aimable, d'une étrangeté quand même, qu'on lui projette cette image-là lors de ses contacts. Je ne sais pas si on a quelque chose à dire là-dessus de plus que ça, mais je voulais relever le point du dessin. Marie-Thérèse, est-ce que vous pourriez remontrer ce dessin pour que l'on s'imprègne bien en fait du dessin, voilà. Voilà, donc tout le monde voit ce dessin. Et donc, alors, qu'en est-il? Alors, ça a été mon premier réflexe quand j'ai vu ce dessin. Moi, je suis assez vieille pour avoir vu la série, et tout de suite, j'ai dit, ah mais Anne, bon, c'est un dessin fait par Anne. Alors, je dois préciser quand même que Todd ne m'avait pas prévenu quand j'ai débarqué chez des Andrews. Je croyais qu'il n'y avait qu'un sujet, c'était Jason. Et j'ai découvert que Anne passait son temps à se faire enlever, disait-elle. Mais elle, c'était des enlèvements beaucoup plus folklore que ceux de Jason, parce que c'était des lémuriens roses. C'était tout un truc absolument extraordinaire. Je dois avouer qu'au début, j'ai pas du tout pris au sérieux les récits d'Anne. Et mon journal intime est pas très charitable à son endroit au début. Vraiment, parce que too much is too much. Seulement, encore une fois, le hasard vous donne quelquefois des petites claques. Lors de mon séjour chez les Andrews, où le mur avait été tellement chaud parce que Jason avait été enlevé, d'ailleurs j'avais tout de suite été voir la chambre de Jason pour voir s'il y avait un poêle qu'il avait pu allumer, etc. Et j'ai vu typique chambre d'ado, bourrée de photos de pin-up absolument partout. Pas le moindre radiateur, le radiateur étant simplement sur le palier. Et il me dit que quand il est enlevé, il est dans un endroit où c'est très 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 froid, et c'est tellement froid qu'il ne comprenait pas pourquoi, mais toujours, ça chauffait toute la maison. Bien. Mais les apparitions des E.T., des aliens, des ce que vous voulez, se manifestent chez les Andrews de façon très peu sympathique, avec des odeurs absolument monstrueuses. À croire que c'est une fosse septique qui a explosé, etc. Je ne connais qu'une abductée chez qui j'ai constaté ces phénomènes d'odeur, mais c'était moins déplaisant. C'est l'abductée canadienne qui je consacre tout un chapitre dans mon livre, mais elle, c'est des odeurs de soufre. C'est pas très agréable, le soufre, mais chez les Andrews, c'est absolument épouvantable. Ils sont fait venir des entreprises, ça n'a rien à voir avec eux. J'ai toujours, dès que j'avais ce genre d'histoire-là, et qui me disait « on a fait venir les entreprises », je me tapais d'aller voir l'entreprise pour voir si elle s'était déplacée, si elle avait été contactée. Hein. Je perds beaucoup de temps dans mes enquêtes parce que c'est avec la vérification des détails. Moi, je crois à l'importance de la vérification des détails. Je n'ai pas envie qu'on me mène en bateau. Ouais. Alors là, tout de suite, alors là encore, alors celui-là, d'après elle, il viendrait de, je ne sais plus, d'Orion, tout simplement d'Orion, et il appartiendrait à une race à qui l'on doit les plus grands bâtiments sur Terre, dont la pyramide de Gizeh. C'est pas de moi, c'est elle. Hein. Mais comme j'ai dit tout de suite au début, quand j'ai entré dans leur maison et j'ai vu les livres sur les étagères, j'ai tout de suite pensé aïe aïe aïe. Parce qu'il n'y a rien de tel pour nourrir une. Bon, je ne peux pas en dire plus. D'accord. Alors, autre question, Jean-Maurice Salle cette fois-ci.
Bonjour Marie-Thérèse. Je voulais vous demander le nom de l'abductée canadienne que vous venez de parler, qui s'était fait enlever avec une odeur de soufre. Est-ce que c'est quelqu'un que vous pouvez nommer ou pas? Alors, je l'appelle Sarah Smith. Sarah Smith. Elle m'a demandé d'utiliser un pseudonyme parce que vous qui êtes Canadien, vous allez tout comprendre. Il faut même dire où elle vit. Elle vit à Longueuil. Et lorsqu'elle a été enlevée, elle a vraiment vécu des choses épouvantables, vraiment épouvantables. Elle était enlevée à répétition, elle avait même pris un chien, loup, dans l'espoir que ça la protégerait. Et quand elle se faisait enlever, le chien, au lieu de la protéger, fuyait la queue entre les jambes en miaulant. Le chien loup miaulait. Bon. Elle a eu une histoire très sévère où elle s'est fait casser la figure dans la rue, comme moi. Mais alors, elle prétend, c'est là, je me suis presque fâchée avec elle parce que je lui ai dit que c'était du fantasme, elle croyait qu'elle était enceinte d'un extraterrestre. Et je lui dis non, Jeanne, c'est pas possible. Alors Jeanne, je précise, une femme remarquablement intelligente, une scientifique qui au départ était tellement matérialiste, je disais toujours, c'est le genre de bonne femme à couper un fil électrique et le regarder comme microscope pour voir si elle peut voir le courant passer. Enfin, plus faits et gestes qu'elle. Quand elle a eu toutes ses aventures, ça a brisé sa vie de famille. Évidemment, elle avait un Jules qui s'est taillé à toute vitesse. Alors, le détail que je peux vous donner, qui est quand même important, lorsqu'elle a été tabassée par un extraterrestre, dit-elle, elle a été ramassée par la police, emmenée à l'hôpital, et elle était embouillie. Et bien qu'elle soit embouillie quand on l'a amenée à l'hôpital, elle est très jolie, cette fille. Elle a brisé le cœur du chirurgien qui était aux urgences. Alors, l'histoire est assez curieuse quand même. Elle était très, très, très démolie. Et entre autres, elle avait la vessie éclatée, ce qui n'est pas une plaisanterie au point de vue médical. Et le médecin de garde était urologue. Et il lui dit, il va falloir vous mettre une vessie artificielle. Et elle lui répond, mais vous rigolez ? Oui, j'ai 22 ans, je suis jeune et belle. Vous voyez qu'une vessie artificielle ? Et le médecin lui répond, si vous ne faites pas opérer, on pourra vous suivre la trace. Elle répond, oh ! Ils viendront guérir. Et le chirurgien dit, mademoiselle, la seule chose que je désire, c'est vous opérer au plus vite. Or, la chose qui est tout à fait étonnante, c'est très rare, je précise, d'avoir les dossiers médicaux des gens. J'ai pu avoir accès, mais j'ai bagarré pour avoir accès au dossier médical de Jeanne. Oh, pardon, de Sarah. Bravo, Marie-Thérèse. Bon. Ça arrive quand on ne veut pas dire quelque chose. Bon, au moins vous savez son prénom. Bon, j'ai eu le dossier médical et c'est comme ça qu'on est rentré en contact, Olivier, n'est-ce pas? Vous voyez de quel dossier médical je parle? De Jean Miguère. J'ai bagarré un temps fou pour avoir son dossier médical. Bon, alors le dossier médical de Sarah était très intéressant parce que je me suis renseignée au point de vue auprès d'un médecin. Lorsqu'on vous enlève un rein, vous pouvez très bien vivre avec un seul rein. Mais le deuxième rein va commencer à travailler tout seul. Et travaillant tout seul, il va prendre du volume. Or, les radios de Sarah montrent un rein, une absence de rein, puisque le rein est mort, il a fallu lui enlever. Le deuxième rein n'a pas augmenté de volume. Il se porte parfaitement bien. Ça, c'est un phénomène parce que quand j'ai vu tout ce qu'elle faisait, j'ai évidemment voulu rencontrer sa famille. Je l'ai rencontrée de façon tout à fait bizarre. C'était mon premier passage à Montréal. À l'époque, je n'avais jamais mis les pieds à Montréal et je n'avais qu'une amie à Montréal. En fait, elle vivait à 30 km de Montréal.
Et je suis invitée à la télévision. J'avais fait un livre sur, sur Nostradamus. Et l'amie chez laquelle j'habitais me dit « Prends ma voiture et tu te débrouilles toute seule. » Bon, moi, je n'ai pas l'habitude de des hivers canadiens. Rouler par moins 30, ça ne fait pas partie de mon quotidien. Bref, je pars avec un certain temps d'avance pour ne pas être en retard, évidemment, à la télévision. Et je m'installe dans une sorte de cafétéria tout près des studios. Et alors que je suis là, en attendant, pour ne pas arriver en avance comme une plouquesse au studio, je vois une fille absolument ravissante, une petite Elizabeth Taylor, ravissante, avec une robe très surprenante, comme une robe d'indienne en daim, avec des tas de franges. Et elle me dit avec un fort accent québécois, « Ah ben, on a mis du temps, Marie-Thérèse. » Je dis quoi ? Ben, elle me dit, « Tu n'es pas Marie-Thérèse ?» Je dis, « Mais oui, mais on se connaît. » Elle me dit, « Mais tu ne me reconnais pas ?» Je dis, « Ben, je ne peux pas vous reconnaître puisque je ne vous connais pas. » Et à ce moment-là, j'ai l'idée que c'est ma copine dont j'avais emprunté la voiture qui m'avait fait un canular. Il avait dit, « Certainement, elle va arriver en avant. » Je lui ai dit qu'elle pouvait attendre dans ce café. Si tu la repères, elle est comme ça. Et je lui ai dit, « Ah bon, c'est Jacqueline qui vous envoie ?» Elle me dit, « Mais tu ne me reconnais pas ?» Je lui ai dit, « Bon, où est-ce qu'on s'est rencontrés ?» Et elle me dit, bah, « Dans l'OVNI, évidemment. »« Bon, tu viens ?» Alors, vous qui vivez au Québec, travaillez là-dessus. « Tu viens ?» J'ai dit, « Je ne peux pas, j'ai une émission de télévision. » Elle me dit, « Ah bon ? Écoute, je t'attends. » Je passe à la télévision, je fais, pardon pour ma modestie, je fais sauter le scandale, le standard. Il y a eu des appels à n'en plus finir, ce qui fait que j'arrive assez tard. Elle piaffait d'impatience et elle avait son porte-clés à la main qu'elle agitait nerveusement. Elle me dit, « Viens, en me tutoyant. » Je dis, « Non. » Je ne viens pas avec vous, je suis en voiture. Elle me dit bon. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez elle. Et c'est comme ça que j'ai vécu, peut-être les. J'ai passé 15 jours chez elle. Les 15 jours les plus fous de ma vie. Et il y a tout un. Je vais consacrer un chapitre dans mon livre. Je n'ai jamais vu un personnage pareil. Alors, messieurs, c'est l'occasion. Allez-y avec les questions. Peut-être Gérald, parce que je sais qu'il est quand même très intéressé par les phénomènes d'abduction. Alors, vas-y, Gérald. Ouais, moi, je voudrais revenir sur l'épisode avec Jason et le mur chaud. En fait, ça m'a un petit peu interpellé. Déjà, la première question, c'est est-ce que vous avez ressenti autre chose ce soir-là que cette sensation de chaleur ? Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, une autre sensation ? Est-ce que vous avez senti que... Voilà, est-ce que ça s'arrête juste au fait de sentir qu'il fait chaud et que le mur est chaud, ou est-ce que intérieurement vous avez senti qu'il se passait quelque chose ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, avec le nombre d'abductés que vous avez rencontrés et toutes les enquêtes que vous avez faites, est-ce que c'est la seule fois où vous vous êtes confronté, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs, à un phénomène physique ? Lors d'une abduction de quelqu'un, enfin, chez qui vous êtes, je ne sais pas si vous comprenez la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir ce genre de situation, alors que ce soit peut-être des lumières ou de la chaleur ou quelque chose ? Est-ce que c'était la première fois ? Non, ce n'était pas la première fois, mais ce que je ressens est très vague par rapport, est très léger, si vous voulez. La fameuse nuit où il faisait si chaud, il s'est quand même passé des choses bizarres. Moi, je suis insomniaque. Et j'en suis ravie parce que ça me permet de lire. Je lis énormément et pendant que les gens dorment comme des imbéciles, moi, j'accumule les bouquins. Et je suis insomniaque depuis l'enfance, donc vis très bien. Et j'ai compris que ça sert à rien de prendre des somnifères. Donc, alors, Marie-Thérèse, bienvenue au club parce que je suis moi-même insomniaque et je vis la nuit. Bah, moi aussi, quand je me couche, je ne me couche jamais avant 8 heures du matin. Oh, bah. Bon, alors, dans ma chambre, j'étais en train de lire et je ne sais pas pourquoi je me sentais mal. Et j'avais en plus un bouquin passionnant, je ne sais plus ce que c'était, mais je sais que j'étais très passionnée. Et comme il faisait chaud dans cette chambre, je vais à la fenêtre pour ouvrir et avoir de l'air plus frais, puisque ma chambre était surchauffée. Et là, j'assiste à un spectacle très étrange. Je vois... six, je les ai comptés, six chats,
parfaitement rangé en ligne droite. Bon. Je me suis dit, ça doit être des habitués de la, ça doit être des habitués de la maison. J'ai demandé par la suite. Ils n'ont pas 6 chats. Ils ont des chiens. Ils n'avaient pas de chats. Bien. Mais j'ai trouvé ça très bizarre, cette parfaite ligne. Je suis sortie dans le jardin. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas un support sur lequel ils auraient pu se mettre, qui était, je ne sais pas quoi, ou du tissu, ou des pierres. Bon, ça, j'ai trouvé ça bizarre. Ensuite, quand je suis sortie sur le palier, pour, dans l'espoir d'éteindre le radiateur qui était éteint, je me suis sentie, je ne suis pas toquée, hein, je m'empresse de vous le dire devant témoin, je me suis sentie qu'on m'appuyait sur mes 2 épaules. Ce n'était pas très fort, mais j'ai bien senti cette sensation. Bon. Désolée, je n'ai rien de plus pittoresque à vous raconter. Par contre, il y a un autre phénomène dû à un enlèvement, moi, qui m'a beaucoup perturbée. Je disais l'autre jour à Olivier au téléphone que moi, un des cas qui m'intéressait le plus, c'est celui du Wyoming. Je ne sais jamais son nom. Vous vous rappelez ? Je le cherchais déjà avec vous, Olivier. Vous connaissez pas. Attendez, bon. Yossi, non ? Non, c'est pas ça. C'est pas le cas là. Hein. Le cas de. Higdon, vous connaissez le cas ? Ah non, 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 non. Pas ça, de... je ne connais pas. Ouais. Alors, justement, j'étais dans une situation très embarrassante à cause de vous. Alors, je vous raconte brièvement le cas d'Higdon. Parce qu'il n'y avait pas un cas qui s'appelait Yossi Ronan. Non, ça c'est tout à fait différent. Non. Ah d'accord, d'accord. Le cas de Higdon, pour moi, c'est le plus passionnant. Ah, celui qui vous a mis dans l'embarras, là, suite à... Oui, d'accord, je vois. Ouais. Higdon est un chasseur, donc il décide d'aller chasser l'élan. Ça se passe dans le Wyoming. Et il arrive avec sa voiture, il sort avec son fusil, et à peine est-il sorti de sa voiture qu'il voit 5 élans magnifiques. En bon chasseur, il prend son fusil pour épauler, et à ce moment-là, il rentre dans ce qu'on appelle la zone X, c'est-à-dire tous les bruits de la forêt s'arrêtent. Il n'entend plus les oiseaux chanter, les feuilles ne bougent pas dans les arbres, etc. Il épaule, et c'est là où l'histoire est quand même formidable, parce qu'il a eu un réflexe génial, Higdon. Il épaule, et au lieu de tirer, il voit la balle sortir au ralenti de son canon et tomber par terre. Il a eu, grâce au Dieu, le réflexe de ramasser cette balle, qui bien sûr a été analysée. Alors, je vous passe, j'ai donné des détails dans mon livre sur l'analyse des métaux, parce que la balle est retournée comme un gant. Bon, il y a eu toute une analyse, mais ce n'est pas tout. L'élan se transforme, j'adore cette histoire parce qu'elle a un côté conte du Moyen-Âge, c'est formidable, c'est un grand récit mythique ça. Se transforme en une espèce d'individu mastoc avec des cornes gigantesques qui lui partaient du front et qui arrivent sur ses épaules. J'en reviens pas, vous ne connaissiez pas ce cas-là. Et il avait des bras sans main et un bras se terminait par un tube. Et au bout ce tube tenait un flacon dans lequel il y avait les pilules, et là nous passons Alice au pays des merveilles, et l'extraterrestre, appelons-le comme ça, avait commencé par une question follement intéressante, « Comment vas-tu ?» Bon, et ensuite, en lui tendant le flacon, il y a des pilules, d'un air très autoritaire, l'entité lui dit « Mange !» Et comme dans Alice au pays des merveilles, Higdon obéit, prend le flacon et avale 5 pilules. Bien. Et il se retrouve à bord d'un ovni.
Son voyage est tout à fait particulier. Alors, je peux préciser que j'ai super enquêté sur ce cas-là. Et c'est pour ça que Olivier m'a mis dans une situation un peu intéressante sans le savoir. C'est un cas qui a été étudié très bien par un personnage que j'aime beaucoup, qui est professeur à l'université de Laramie, Leo Sprinkle. Leo Sprinkle, vrai psychologue, formidable, etc. Et sachant que j'allais faire une émission chez Olivier, je me dis, tiens, je vais téléphoner à Léo. Le jour où j'ai téléphoné, il était mort la veille. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de téléphoner à quelqu'un, tomber sur sa femme et son... Bon, alors... Oui, ça, c'est vrai que c'était incroyable, ça. Parce qu'on cherchait, en fait, une personne, un anglophone, avec qui faire une émission avec Marie-Thérèse de Brosse. Et donc, elle a cette idée de contacter cette personne, et elle tombe sur la femme qui lui dit, bah, écoutez, il est mort la veille. C'est effrayant. Alors, voilà. Il fait un voyage dans le vaisseau, dans un univers de science-fiction absolument formidable. Il voit des planètes, des villes avec des tours de cristal, c'est magnifique. Et il se retrouve évidemment dans la célèbre chambre d'opération. Mais là, ça ne se passe pas du tout comme d'habitude. Alors qu'il est étendu sur la table d'opération et que les IT allaient se livrer aux habitudes de manipulation auxquelles ils nous ont accoutumés, il dit qu'il faut une tête comme ça en lui disant « tu fais pas l'affaire ». Et séance tenante, on le remet dans la soucoupe qui décolle. Alors, tu fais pas l'affaire, j'explique. Je ne veux pas rentrer dans les fantasmes de Jacob, je suis désolée, moi je ne crois pas aux histoires de Jacob, mais chacun ses histoires. Les examens des IT tournent très souvent autour des organes sexuels, de la gorge, etc. Curieusement, pour nous, êtres humains, l'organe le plus important, c'est le cœur. On n'a jamais un témoignage d'abducté qui vous dit « il a regardé mon cœur ». Ça a toujours semblé bizarre. Hein, bon. Par contre, alors là, leurs zizi, leurs ovaires, ça c'est absolument courant. Or, Higdon avait subi une opération et il était devenu stérile, voilà, disons-le élégamment comme ça. Bon, il repart dans la soucoupe et à ce moment, il reconnaît la forêt et une trappe s'ouvre et Higdon est jeté sur le sol. Évidemment, le choc est violent. Il n'a jamais pu dire de quelle altitude on l'avait jeté. Je ne pense pas que ce soit de 1000 mètres, sinon il n'aurait pas pu nous raconter cette histoire. Mais de loin, il voit un camion. Il se traîne parce qu'il est très blessé. Et dans le camion, il y a une Sibie. Et heureusement pour nous, Higdon est sibiste. Et il appelle immédiatement la police. Tout ça, j'ai été voir les flics et tout, hein, je peux vous dire. Il appelle la police en disant « je ne sais pas où je suis ». Je n'arrive pas à le retrouver. Bon. Quand enfin la police arrive, grâce à la Sibie, elle est localisée. C'est quand même une histoire formidable, ça. Il voit un véhicule qui est la voiture de Higdon. Higdon était rentré dans sa propre voiture qu'il n'avait pas reconnue, mais sa voiture n'était absolument pas où il l'avait garée au bord de la route pour descendre chasser. Sa voiture est sur un petit îlot minuscule marécageux au bord d'un tel marécage que la police a dû appeler les pompiers leur demandant de venir avec des hommes grenouilles et des échelles parce qu'ils ne pouvaient pas arriver à la voiture et récupérer Higdon. C'est pour ça que je dis que pour moi c'est le plus beau cas. Higdon est donc embarqué par la police et là, évidemment, il commence à parler et les flics canadiens se disent « celui-là, il est complètement drogué hein. ». Il me raconte « soucoupe extraterrestre, cité du futur tout en cristal ». Et évidemment, il est hospitalisé tout de suite.
on s'occupe de lui, il avait quand même pas mal de dégâts. Et on prévient évidemment sa femme, c'est la moindre des choses. Idone et sa femme, ce sont des braves Canadiens, tout à fait normaux, honnêtes, etc. Et la femme est affolée, évidemment, on apprend que son mari est en bouillie à l'hôpital. On n'ose pas lui dire au téléphone qu'il prétend avoir été jeté à bord d'une soucoupe volante, mais on lui dit on ne comprend pas l'accident qui lui est arrivé, puisque sa voiture n'a pas de marque de collision. Alors tout ça, très bien, elle arrive, et to make a long story short, quand 3 jours après, elle repart avec son mari, je vous demande de noter ce détail, c'est formidable, on lui donne, aux États-Unis bien sûr, oui, merci. Sorry. Sur les tant de Canadiens qui me trouvent. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que juste après, donc Jean-Mauricette a levé la main. Donc, tu auras une question, c'est ça, hein, Jean? Depuis tout à l'heure, il trépigne d'impatience pour poser sa question. je termine. Mais Jean, vous connaissez le cas Idone, bien sûr, non? Non? Vous connaissez le cas Idone, non? Ah, j'entends pas, genre, ça fait rien. Bien. Alors, on lui donne le dossier médical. Et pendant que la femme rentre chez elle, et quand elle regarde le dossier médical, elle téléphone à l'hôpital. Vous êtes trompée de dossier, c'est pas le dossier de mon mari. Mais madame, c'est bien votre mari, Carl Idone, oui, mais c'est pas son dossier. Et pourquoi? Dieu m'écoutez, vous permettez. Mon mari touche une pension d'invalidité, car il n'a qu'un seul poumon. Et vous me donnez les radios de ses poumons, il a 2 poumons intacts. Il donne et retourne se faire radiographier. Les 2 poumons de Idone étaient parfaitement intacts, alors qu'il a toujours touché une pension d'invalidité. On ne donne pas une pension d'invalidité pour troubles pulmonaires à quelqu'un qui a 2 poumons en bon état. Bon, ça c'est quand même un détail physique que je trouve important. Et puis la balle. Alors, je dois avouer que c'est pour ça que j'avais essayé d'appeler le professeur Sprinkle. C'est grâce au professeur Sprinkle que je suis rentrée en contact avec Idone. Parce que moi, je passe mon temps, on m'appelle la Madone des Boeing pour aller regarder les cas qui vraiment l'intéressent. Donc, on rappelle le professeur qui est mort récemment. Oui, le professeur Sprinkle. Alors, le professeur Sprinkle est ce site formidable. Il organisait, je dis ça maintenant évidemment à l'imparfait, les plus grisants des congrès auxquels j'ai jamais assisté. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça s'appelle Rocky Mountains Conference. Dans cette université de Laramie, ils recevaient, et c'était complètement ouvert, les abductés, les psychiatres, les psychologues, les journalistes, les enlevés, et tout ça, ça fraternisait, c'était extraordinaire. Jamais vu des congrès comme ça. Les Rocky Mountains, c'était un bonheur. Et ce n'est possible qu'aux États-Unis, ce genre de choses. Oui, je crois. Oui, le rapport des universitaires est vachement plus sympa. Moi, je me souviens, ça m'avait frappé, parce que je suis une vieille universitaire, parce que j'ai un doctorat de philo, mais je me rappelle que lorsque j'ai été travailler pour mon bouquin et j'ai été chez le professeur Ring. Kenneth Ring, dont la maison s'appelle le rendez-vous de la mort joyeuse. Bon, Ring à l'époque, quand je suis allée. Ah oui. Ouais. Lui qui avait la chaire de psychologie de son université. Donc, c'était un universitaire, bien, même s'il s'intéressait au MBA, c'était un véritable universitaire, couturé de diplôme. Mais ça, alors, ce titre, enfin, le nom de la maison, mais ça, c'est incroyable. Le rendez-vous de la mort joyeuse. Donc, j'étais arrivée, et je l'attends, et je vois, j'aurais jamais vu un de mes profs arriver comme ça. Je vois le professeur Ring arriver en short, en tongs et à bicyclette. J'ai jamais vu un de mes profs comme ça, moi. J'ai trouvé ça merveilleux. Et au bout de quelques temps, j'ai pas trop 4 heures avec lui. Il m'a dit, mais ça m'intéresse, pourquoi est-ce que vous partez? Restez ici, écrivez votre bouquin ici. Toute ma bibliothèque est à votre disposition. Voilà, c'est des personnages extraordinaires. Donc, hommage au professeur Sprinkle. Je vous écoute, monsieur Morissette, puisque vous avez une question à me poser.
J'ai trois petites questions, mais qui se répondent très, très vite. Tracy, elle a vu l'homme lion. Est-ce que Jason l'a vu? Non. D'accord. Jason n'est pas du tout en contact avec les mêmes entités que Mme Sommer. Ils ont la même écriture. Alors, l'écriture, c'est un phénomène spécial à Jason. Sa mère n'a pas ça. Il faut que je vous donne un autre détail qui est quand même assez important, qui vous expliquera comment Anne Andrews est arrivée chez Mary Rodwell. Anne Andrews a vécu quelque chose d'assez douloureux pour une femme, c'est-à-dire qu'elle était enceinte et elle a perdu son enfant avant l'accouchement. Et la fausse couche l'a complètement traumatisée parce que un matin, elle se réveille avec du sang en plein son lit. Je ne dis rien d'indiscret, hein, elle l'a publié dans son livre, elle me l'a raconté, donc je ne dis rien d'indiscret. D'ailleurs, ce qu'on me demande de ne pas dire, je ne le dis jamais. Hein. Et dans son lit, il y a du sang, mais pas de fœtus. Elle fait venir un médecin, elle ne comprend rien. Bon. Or, je signale que lorsque j'ai beaucoup travaillé sur les enlèvements aux États-Unis, entre autres, puisque j'ai travaillé sur ce sujet dans le monde entier, c'était la grande mode des grossesses interrompues. Alors moi, je reconnais humblement que je n'ai jamais cru à ces histoires d'hybridation qui tiennent tellement à cœur du professeur Jacobs, mais chacun a son avis. Ah, ça, c'est intéressant, là. Ce que vous nous dites ce soir, c'est très intéressant. Tout ce qui est histoire d'hybridation, pour vous, c'est de la science-fiction, c'est ça, hein ? Absolument. Et j'ai contré à un congrès Jacobs en public. Jacobs a des peurs hystériques qu'on soit dominé par une race d'extraterrestres, etc. Et il transporte ses fantasmes dans son travail. Alors, je me permets de vous le dire, je l'ai dit en public, donc je ne me cache pas. Et vous l'aviez dit dans la première émission qu'on avait fait ensemble. Bon, je lui ai dit en public à un congrès, j'ai vu comment Jacobs travaille, c'est scandaleux. Ouais. Je vous donne un exemple. On se croirait vraiment dans des récits d'acquisition du Moyen-Âge quand il a un sujet et qu'il l'interroge sous hypnose. Il est capable jusqu'à faire 117 hypnoses du même sujet jusqu'à ce qu'il ait enfin le récit qu'il attend. Rappelez-vous les procès de sorcellerie au Moyen-Âge. Les malheureuses femmes qu'on accusait de sorcellerie disaient « mais non, je ne suis pas sorcière, etc. » Et l'inquisition, et que je te sers le machin, etc. Jusqu'au moment où elle finissait par dire « oui, j'ai embrassé le cul du diable, oui, le sperme du diable était froid, etc. » C'est exactement la même chose avec Jacobs. Et je le dis parce qu'elle m'a autorisé à le dire, j'ai vu une abductée, Alice Haggerty, c'est son vrai nom, c'est pas un pseudonyme, elle m'a autorisé à le dire, et je l'ai publié, qui m'a raconté qu'elle avait été hypnotisé 117 fois par Monsieur Jacobs et qu'il lui a fichu la paix que lorsqu'il lui a dit « oui, 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 c'est des vilains, etc. » Et m'a dit Alice, avant mes enlèvements se passaient très bien, ils m'ont guéri, ils m'ont sauvé, comme mes parents étaient méchants, me consolaient, etc. Et maintenant je suis envahie par des aliens mauvais qui me veulent du mal. Voilà le cas que m'a fait Monsieur Jacobs. Bon. Eh oui. Et c'est bien triste de savoir qu'il est adulé en France par des personnes comme Jean Libraireau et bien d'autres qui sont fanatiques de ce David Jacobs, au point de traduire carrément le livre de David Jacobs. Oui, no comment. No comment, c'est vrai. Deuxième petite question, c'est lorsque vous êtes venu à Montréal, c'était quoi le nom du programme? Où est-ce que vous êtes allé? Où la station? La station de télévision. Ah, oh, mon Dieu, un peu vieux ça. Qu'est-ce que ça vous souvenez pas? C'est la grande, grande chaîne de télé. Radio-Canada? Radio. TVA? Non, c'est pas une radio, c'est une TVA. Télévision. Hein? Ah ouais, mais c'est Radio-Canada, c'est la radio, c'est la télévision aussi.
Alors, ça doit être ça, ça doit être Radio-Canada. Mais c'était une grande, un énorme bâtiment. C'est un énorme bâtiment, hein. En haut, en hauteur. Après, les deux Québécois, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? C'était il y a combien de temps, Marie-Thérèse? Le bouquin est sorti. Radio-Canada ou TVA? TVA, peut-être. Ah, d'accord. Voilà. Les grosses chaînes québécoises, c'est Radio-Canada, TVA, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Radio-Québec à l'époque et Vidéotron, qui est ce qu'on a sur la télévision communautaire, le canal. D'accord. 9. D'accord. Ça, c'est vraiment dans l'ouest de la ville. Vidéotron, c'était pas le canal de François Sébourbeau, c'est ça, hein? Oui, et de Richard Glenn aussi, oui. Ah, d'accord, voilà, c'est ça. Et si vous étiez à Radio-Canada, c'est étrange parce qu'on ne parle jamais de ce genre de sujet à Radio-Canada. Peut-être à TVA, au Canal 10, sur la rue Alexandre de Sèvres, vraiment au centre-ville, mais ce n'est pas une tour. Est-ce que vous vous souvenez de celui ou de celle qui vous a interviewé par hasard? Sophie Thibault. Ah, ça se peut, ça? Ah, c'est TVA. Ouais, c'est TVA. Beau, oui, c'est d'accord, TVA. Voilà, on a trouvé. Et ce serait bien de retrouver les archives. Ça serait sublime de retrouver l'archive du passage de Marie-Thérèse. Hein. Je vais travailler là-dessus. Jean-Sophie Thibault, c'est celle qui est chef d'antenne maintenant, là, qui est qui fait le téléjournal de TVA maintenant, c'est ça? C'est vrai. Ah, je lui ai fait un coup absolument marrant. Un jour, elle faisait une émission, elle m'a demandé si je voulais participer à une émission sur les vaccins. Parce qu'il y avait une épidémie de méningite au Québec, on disait qu'il y avait une méningite, il y avait une vaccination forcée. Elle avait fait une émission très anti-vaccin. Et elle s'était fait tancer par le ministère qui, si j'ai bonne mémoire, j'espère que je ne déforme pas, s'appelait alors le ministère de la Santé et du Bien-être. C'est possible, hein? Oui. Ouais, bon, j'ai trouvé ça formidable. Ministère du Bien-être, c'est formidable. Bon, et alors... On est au Québec. Il n'y a que au Québec qu'on peut entendre ce genre de choses. Je ne sais pas. Mais qui connaissait l'abducté dont je n'ai pas le droit de dire le nom, c'est comme ça que j'ai connu Sophie Thibault, m'a dit, est-ce que vous voulez bien participer à l'émission? J'ai dit oui, bien sûr. Écoutez, je vais vous demander de jouer Monsieur Loyal parce que j'ai des problèmes avec le ministère de la Santé. Et donc, je leur dois de laisser la parole au ministère de la Santé pour qu'ils rattrapent les choses que j'ai dites, qu'ils ne leur plaisent pas, etc. Alors, vous allez jouer Monsieur Loyal. J'ai dit, très bien. Et à un moment, votre ministre, excusez-moi, j'ai oublié son nom, fait tout un plaidoyer sur l'importance du vaccin contre la méningite. On a posé au Québec un vaccin pas très sympathique pour la méningite. Enfin, il y avait déjà des histoires un peu louches. Et le ministre lance dans un grand discours, et je le regarde avec les yeux pleins d'admiration. Je dis, c'est extraordinaire, monsieur le ministre, que vous savez de choses. Et il me répond, persuadé qu'il a en moi une alliée, il me dit, mais qu'est-ce que vous croyez, mademoiselle? Je suis cette histoire, je vais à tous les congrès, je suis l'information. Et alors là, je ne sais plus lui que je regarde, mais je regarde la caméra. Et je lui dis, savez-vous, monsieur le ministre, qui paye vos invitations aux Seychelles, à la Réunion, aux îles Hawaï, aux médicaux? Je vous dire que j'ai des souvenirs adorables du Canada. Merveilleux. Eh oui, et c'est vrai qu'on aime tous le Canada ici. Hein, surtout le Québec. Hein, surtout le Québec. Ah, Bruno, vous avez des scandales Bruno, absolument remarquables. Bruno, toi qui es quand même assez parfois philosophe, est-ce que tu as des questions pertinentes par rapport à tout ce qu'a dit Marie-Thérèse de Brosse, par rapport à tous ces cas? Vas-y, c'est le moment, profites-en. Et aussi, Eric après Bruno, Eric, vas-y, Bruno. Oui.
Peut-être êtes-vous passé à la télévision 4 saisons aussi, peut-être, ça n'existe plus aujourd'hui. Je tiens à préciser que j'ai vécu à Montréal et à Longueuil, alors. Et je me pose une question, Marie-Thérèse, étant donné que vous venez d'affirmer de façon sans équivoque que toute la question d'hybridation humaine extraterrestre n'a pas de validité, pourtant, on a beaucoup de témoignages. Alors, que portent ces témoignages-là qui se répètent? Est-ce qu'on peut juger de la bonne foi d'un expérienceur à ce moment-là selon qu'il ajoute ou pas, ou qu'il inclut ou pas cet aspect de farfouillage, enfin, de s'occuper, se mettre le nez dans les affaires des autres? À quoi ça peut correspondre à ce moment-là? Est-ce qu'on est devant une espèce de schéma strictement de communication où on fait un examen médical à quelqu'un qui a l'habitude et qui peut s'attendre à un examen médical à l'époque où nous avons tous des examens médicaux poussés, entre guillemets, alors que dans les années 50, par exemple, tout ce qu'on voyait était une extension technologique de ce qui vole, c'est-à-dire un ovni en métal. Et puis, je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce que je veux dire, là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'anthropomorphique envers nous pour nous rendre confortables dans l'expérience, même s'il peut y avoir des choses qui peuvent s'avérer fausses au bout du compte? Cette discussion sur ce thème précis. D'abord, je voudrais préciser que je dis évidemment n'engage que moi. Mais il se trouve que lorsque j'étais particulièrement à New York, où j'ai quand même assez longtemps vécu, il y avait beaucoup de cas de missing fetus. À l'époque, les récits d'enlèvement qui étaient totalement inconnus en Europe, colonisaient complètement la télévision aux États-Unis. Je me rappelle quand je vivais en Floride, j'avais, comme tous les Américains, une télévision dans mon salon, une dans ma chambre, une dans ma cuisine. J'avais loué une maison somptueuse d'ailleurs. Eh bien, il m'est arrivé il y a des jours où, me promenant d'une pièce à l'autre, j'avais 3 abductés différents sur 3 chaînes différentes. C'est vous dire que ça faisait partie de la... Bon, tandis qu'en France, personne ne connaissait ça. Donc, j'ai voulu travailler sur les cas de missing fetus. Je peux vous dire que tous les cas, tous, sur lesquels j'ai enquêté, qui prétendaient avoir des cas de missing fetus, je n'ai jamais eu un seul cas où la femme avait été enceinte. Bon, je ne veux pas aller plus loin que ça. Personnellement, alors là... je conçois assez mal qu'une civilisation, moi je suis tout à fait persuadé qu'il y a plein de civilisations autour de nous dans ce vaste univers, c'est évident, croire qu'on est les seuls c'est complètement dément. Mais une civilisation qui est assez avancée technologiquement pour pouvoir nous visiter à travers d'aussi longues distances, pour savoir se jouer aussi bien de toute notre technologie, fait état d'une maîtrise technologique de siècles en avance sur nous. Des tels progrès dans le domaine purement scientifique ne peuvent pas ne pas s'accompagner d'une immense avancée sur le terrain biologique. Donc, des êtres qui sont capables de faire voyager des navires, des vaisseaux, de les rendre invisibles, de les dématérialiser, de les rematérialiser, vous n'allez pas me dire qu'ils ne savent pas travailler sur leur propre être. Et que pour nous examiner, ils n'ont pas besoin, pour nous examiner, mon Dieu, la génétique, ça doit exister ailleurs, d'enlever les gens un par un pour aller leur prélever un peu de sperme, un peu d'amygdale, etc. Bon, c'est bien évident qu'on nous raconte un scénario dans notre tête et que nous sortons docilement. Voilà. Moi, c'est ce dont je suis absolument convaincue. Nous n'avons pas encore atteint le niveau de conscience qui nous permet de comprendre ce qui se passe. On nous raconte des salades, nous sommes bons pour la salade, c'est tout. C'est une mise en scène, tout simplement. Oui. Voilà. Alors,
Question maintenant de Eric. Eric qui n'a pas du tout réagi depuis le début. Il serait temps. Hein. Vas-y, Eric, vas-y. Non, lâche-toi complètement. Pose tes questions les plus pertinentes possibles. J'ai pas véritablement de questions, mais je bois ses paroles. En fait, elle a eu une chance inouïe de consulter toutes ces personnes, de faire des enquêtes vraiment de. C'est des enquêtes de terrain, mais avec des gens, quoi. D'être au contact et d'apprendre beaucoup sur eux. Pour ce que toi, d'ailleurs, ce que toi, tu fais aussi sur le territoire de la Lorraine, mais c'est que clair, mais en fait, moi, je suis dans le... Ouais, ça s'arrête aux observations. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Je voudrais préciser quelque chose. D'abord, je l'ai déjà dit, Olivier, j'en ai un peu marre qu'on utilise le mot ufologue à tout craint. Moi, je crois qu'il y a, au cours des ovnis, il y a les ufologues, les ufophiles et les ufomaniaques. Et j'aimerais que les gens savent à quelle catégorie ils appartiennent. Par définition, un ufologue, il étudie, il travaille. C'est pas parce que je ramasse un morceau de quartz ou de cristal que je vais me dire géologue. C'est pas parce que j'achète un certain nombre de minéraux dans une boutique et je les mets chez moi que je vais me dire ufologue. Bon. Il y a les ufologues, ils bossent, ok. Les ufophiles, ça c'est très bien, ils ont de la sympathie, ils lisent, etc. Et les ufomaniaques, bon, nous en connaissons tous. Mais j'aimerais que le mot ufologue soit un peu réservé aux gens qui bossent sur le terrain. Personnellement, oui, je suis un peu toquée, vous me direz. Quand j'ai découvert j'ai toujours travaillé sur les ovnis, je m'y suis assez intéressée quand j'avais 7 ans, hein. Je suis tombée dans la soupe, hein. Qui dit mieux, hein ? En lisant dans le rayon interdit de mes parents le bouquin d'Aimé Michel, Mystérieux objets célestes. Rayon de la bibliothèque où je n'avais pas le droit d'aller, j'étais trop petit. Bon. À 7 ans ! Ouais, c'est incroyable. Hein. J'ai commencé exactement de la même manière. Souviens-toi, j'en avais parlé dans l'émission. Ah ouais, en plus. En allant voler le bouquin dans la bibliothèque de mes parents et avec une image en particulier qui m'avait traumatisé d'un portrait type d'un petit gris, justement, c'était au début des années 80. Voilà. Quand même, j'insiste quand même. Eric, tu as des questions pertinentes par rapport à tout ce qui s'est dit, des détails. Vas-y, on t'écoute. Non, des questions, pas véritablement de questions, mais c'est un univers passionnant. On apprend tous les jours parce qu'en fait, bon, les ufologues, en tant qu'ufologues de base, ils ne s'occupent pas vraiment justement de ce type de témoins. Ils s'occupent plutôt des ovnis, disons, tollés boulons, quoi. Donc là, on est vraiment dans un autre registre et il y en a beaucoup qui se sont écartés un peu de ces phénomènes directement liés aux personnes. Et ça permet justement d'évoluer, d'aller voir plus loin, de creuser plus en profondeur, ouais. Que de rester sur des objets matériels, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le même registre. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est justement un petit peu dommage, parce qu'on n'intègre pas justement ce phénomène d'adduction et de l'attaquer sous un angle un petit peu différent que ce qu'on fait habituellement, quoi. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que toi, en tant qu'enquêteur de terrain pour le phénomène OVNI, c'est-à-dire que tu t'arrêtes que au phénomène, à l'observation OVNI, tu vois, en fait, tu ne vas pas plus loin que ça. Ça ne m'empêche pas de m'intéresser à ce type de phénomène. Je l'intègre dans le champ, si tu veux, oui. Mais ce n'est pas ma spécialité. Oui, mais alors par rapport à ce qu'a dit, c'est justement là que je veux rebondir, par rapport à ce qu'a dit en fait Marie-Thérèse, est-ce qu'il y a des choses quand même qui te parlent ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà entendues dans le phrasé, dans toutes les explications, dans tout ce qui a été dit ? Écoute, évidemment, des récits d'adultés, j'en ai lu ou j'en ai entendu beaucoup. Ils se ressemblent tous un petit peu, mais de temps en temps, il y a des choses qui sortent un petit peu du lot. Voilà. Marie-Thérèse, allez-y. Alors, d'abord, il y a une chose qu'il faut savoir, l'ufologie, quel que soit l'angle sous lequel on travaille sur l'ufologie, c'est l'importance du témoin. Le témoin est absolument capital. Bon, ça ne veut pas dire... qui sera toujours de bonne foi, ça ne veut pas dire qu'il sera toujours fiable, mais on ne peut pas passer sous silence
les témoignages, nous en avons besoin. Malheureusement, l'ufologie française, je suis désolée, mais c'est dramatique ce qui s'y passe, à part quelques ufologues qui travaillent. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui paradent à la télévision, qui lisent un bouquin et qui font une émission en racontant ce qu'ils ont lu dans le bouquin, en oubliant même quelquefois de citer l'auteur, petit détail. Bon. Ils ne font aucun boulot. Ils lisent et ce n'est pas ça le travail. Le travail, je vais vous dire, moi j'avais un boulot formidable. Je reconnais, j'avais eu la chance d'avoir un boulot très important dans un journal qui à l'époque était très prestigieux, puis après ça il est devenu un peu moins quand il est devenu People, qui était Paris Match. Je dirigeais les grands sujets, les documents de Paris Match. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bouquin, le job de rêve, parce que ce n'était pas des petits articles, mes papiers, ils faisaient toujours un minimum de 28 feuillets. Il n'y a pas beaucoup de journaux, il n'y a que Patrice Verdercel, mon grand copain de Actuel, qui peut se dire, quand il était Actuel, on travaillait très souvent sur les mêmes sujets tous les deux. On se trouvait dans les pays invraisemblables. Alors, pour les, juste une chose rapide, pour les Québécois, Paris Match, on pourrait peut-être comparer ce magazine au Times ? C'était l'équivalent de ce qu'était le Life, plutôt. Hein. Plutôt le Life magazine, ouais, c'est ça, ouais, ouais plutôt. Hein. On a toujours le Paris Match au Québec, d'ailleurs, Marie-Thérèse, vous l'avez constaté en venant ici. D'ailleurs, j'ai connu Paris Match chez mon oncle, coiffeur, barbier à Québec, d'origine italienne. Alors, j'ai découvert ce qu'était le foot. Je ne comprenais rien. Il y avait des pages et des pages sur des sportifs inconnus au Québec. Ici, c'est le hockey. Hein. Et puis, des lectures comme ça, intéressantes. Mais j'étais trop jeune quand même. Mais j'ai probablement découvert à cette époque-là, avant de tomber sur les dernières victoires de Nostradamus, évidemment, dont je garde une excellente opinion. Voilà. Mais Match existe ici, là, c'est sûr. Ah oui. Mais c'était la qualité quand même. On n'avait pas ça ici. On n'avait pas l'équivalent. Alors, j'avais d'autres. Et puis, il se trouve que je vais à Boston, au grand congrès sur les abductions au MIT, je veux dire. Au MIT. Bon. Petite anecdote rigolote, quand je vois qu'il y a ce grand congrès sur les enlèvements, je téléphone à mon vieux copain Jacques Vallée et je lui dis Jacques, tu y vas ? Il me dit mais tu rigoles, c'est de la plaisanterie, etc. etc. Bon, bien, je veux y aller et on me refuse parce que je suis journaliste. Mais c'est pas gratuitement, je vous raconte ça. Moi, on ne me dit jamais que je ne peux pas aller quelque part. Hein. Ah, vous ne voulez pas de moi ? Vous allez voir, je viens. Je débarque à Boston. Et le jour du congrès, je me pointe au MIT avec dans un sac une perruque et une autre robe. Et à l'entrée, tu connais l'histoire, non ? À l'entrée, je me pointe et je dis, je veux absolument parler à... Je sais plus, j'avais trouvé un nom marrant. J'ai oublié quel nom j'ai demandé. Enfin, j'invente un nom. Et on me dit, non, elle ne fait pas partie des invités. Elle n'est pas sur la liste des conférenciers. J'ai dit, non. Elle travaille dans le bâtiment. Elle travaille au Ladies Room. Il faut absolument que je la voie. Son mari vient d'avoir un accident de voiture. Je ne veux pas que ce soit le 911 qui la prévienne. Je viens lui dire. Les Américains sont des amours. Bisbon, on ne sait pas évidemment dans quel petit room elle travaille, allez-y. Je rentre dans la MIT, je m'engouffre et je vais dans le premier Ladies Room où là, je me change. J'étais arrivée blonde, avec les cheveux longs, et je sors rousse et toute bouclée. J'étais arrivée avec un pantalon et je ressors en robe. Et comme j'ai un bol extraordinaire, il y avait dans la salle un panier où il y a les petits badges, vous savez, qu'on se met autour du cou, et il y avait un badge où il n'y avait pas de nom. Donc je prends immédiatement et je mets mon nom au cas où il y a un contrôle, que je montre bien Marie-Thérèse de Bronze. Bon, très bien. Et j'ai assisté à tout ce congrès qui m'a absolument fascinée. D'ailleurs, les gens qui s'intéressent au dossier, il faut lire les comptes rendus. Je découvre qu'il est interdit aux journalistes, et je découvre pourquoi, parce qu'il voulait publier les actes du Congrès.
Mais ce congrès, il n'était pas organisé par deux ufologues, hein. Il était organisé par le professeur Pritchard, qui était considéré comme nobilisable, hein, spécialiste de la physique des hautes énergies. Enfin, c'était un niveau de congrès absolument formidable. J'ai appris par la suite que Jacques Vallée avait demandé à y aller, on l'avait refusé. Il m'avait dit qu'il ne s'intéressait pas. Salut Jacques. Bon, bref, ce congrès me passionne. Il était réservé surtout aux psys et aux travailleurs sociaux qui, aux États-Unis, étaient submergés par les cas de gens qui se prétendaient enlevés par les extraterrestres. À l'époque, on n'en parlait pas. Et dans le catalogue des maladies psychiatriques, des désordres psychiatriques, vous pouvez être visité par Marilyn Monroe, ok, vous êtes dingue, on va vous soigner à l'asile, mais visité par les extraterrestres, ça ne faisait pas partie des désordres mentionnés dans DMT. Donc, il y a une prise de conscience, il faut que les médecins, les psys soient formés pour savoir traiter ces gens-là qui ne sont pas des délirants, qui ne sont pas des fous, etc. Donc, je suis passionnée par le sujet et je fais un gigantesque papier à match où on me dit, oh, toi d'habitude, ça ne loupe pas. Et là-dessus, je suis contactée par les éditions Plomb, qui est le meilleur et le plus grand éditeur de Paris, l'éditeur du général de Gaulle, on ne peut pas faire mieux quand même, qui n'a jamais rien publié sur les ovnis, et qui me demande de faire un bouquin sur ce sujet, les enlever. Et 3 jours après, je donnais ma démission. Je me suis dit, je ne peux pas faire à la fois mon métier et écrire un bouquin qui me demande de faire des enquêtes, qui me demande de voyager, etc. Et j'ai dit bye bye au monde du travail. Je me suis mis volontairement en dehors du monde du travail, c'est-à-dire ni chômage, ni indemne, ni rien. Mais bref, à moi les abductés du monde entier, quoi. Et très, très courageux de votre part. Hein. C'était vraiment oui, mais je trouve c'est que les ufologues français, ils bougent pas beaucoup, vous comprenez? Ah, ça c'est bien vrai. Ouais. Mais après, bon, c'est, je pense aussi une question de moyens. Si on avait plus de moyens, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'ufologues qui enquêteraient. Maintenant, pas maintenant à cause du soi-disant Covid, mais les avions sont devenus quand même beaucoup moins chers qu'ils étaient il y a 20 ans. Hein. Maintenant, c'est vraiment. Oui, c'est vrai aussi que le prix des. Oui, ça, je suis d'accord. Pour le prix des avions, tout ça, c'est plus le même tarif qu'avant. Alors, Gérald, oui, tu voulais réagir. Oui, Marie-Thérèse, j'aurais voulu avoir votre opinion et votre point de vue sur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis par rapport à la grande divulgation et par rapport aux avancées. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité ufologique aux États-Unis. Et, on en parlait en début d'émission. Moi, j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus sur où va l'ufologie, justement, où va le phénomène OVNI. Et est-ce que pour vous, cette avancée, elle est significative? Pour moi, il n'y a pas d'avancée du tout. Il y a un dossier. Ah, merci Marie-Thérèse, c'est ce que je disais en début d'émission avec Bruno. Merci beaucoup. Il y a un dossier que nous connaissons parce que nous travaillons dessus depuis longtemps, mais il se trouve que déjà l'armée et le Pentagone travaillaient dessus. Seulement nous disions que nous travaillons dessus et eux ne le disaient pas. Eux, ils étaient payés pour travailler dessus, nous ne l'étions pas. C'est la seule différence. Nous faisions notre boulot, et moi je reconnais que depuis, c'est horrible ce que je vais vous dire, depuis le dossier est venu et jeté sur la place publique, il m'intéresse beaucoup moins. D'abord, il fait beaucoup moins de progrès, ça tourne en rond, on tourne en querelle d'organisation, quel budget on va avoir, qui pourra parler, etc. Quand on entend en 2001, en 2021, je veux dire, c'est, ça a commencé en 2021, on se dit, est-ce que vraiment on peut penser que ce ne sont pas les Chinois, que ça pourrait être autre chose? Enfin, vraiment, c'est la classe enfantine ou quoi? Même avec des gens. Bon, heureusement qu'il y a Avilum. Moi, je suis une fanade d'Avilum. Bon. Ah oui, moi aussi, j'aime beaucoup. Moi, je reconnais que je commence à me désintéresser. C'est la première fois de ma vie, j'ai dit ça, du dossier OVNI.
Ah bah, bienvenue au club encore une fois, parce que moi, c'est pareil. J'ai eu une prise de conscience qui fait que je me suis dit, mais attends, tu vas continuer longtemps comme ça, avec un sujet qui est tellement bancal. Enfin, voilà. Et votre avis personnel à vous sur le phénomène, si vous avez envie de le livrer, bien sûr, parce que j'imagine que vous avez quand même, avec toutes ces enquêtes que vous avez faites, vous avez quand même une... Vous avez votre idée par rapport à tout ça. Vous devez avoir peut-être vos croyances. Qu'est-ce que c'est pour vous? Et je rajouterai, excusez-moi, je rajouterai à la question, l'intervention de Gérald. Et pourquoi ces aliens réagissent-ils d'une manière, mais dans un autre sens, ne se montrent pas? Pourquoi ce phénomène est-il si élusif que ça? Pour quelle raison, d'après vous? Parce qu'on n'a pas encore atteint le niveau, à aucun point de vue, le niveau de pouvoir avoir un dialogue. Nous sommes balbutiants au point de vue de la technologie, nous sommes balbutiants au niveau de la conscience. Nous ne sommes pas à même d'avoir un dialogue avec eux. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est l'objection classique. Comment est-ce qu'une fourmi pourrait reprocher à un homme de ne pas lui parler? Ben non, fourmi, je te regarde, etc. Tu ne m'intéresses pas, les échanges sont avec toi beaucoup, beaucoup trop limités, même si tu es une société bien organisée, avec une reine, avec des ouvriers, etc. Ton petit monde est très au point, mais tu n'es pas au niveau où nous pouvons avoir un dialogue. C'est tout, basta. Et d'après vous, est-ce que l'armée américaine, en particulier l'US Air Force, qui sait beaucoup de choses sur le phénomène, va un jour reconnaître que tout ça est bien extraterrestre? Est-ce que c'est pour bientôt ou il faudra encore attendre bien longtemps, ce que je pense? Forcément, elle va le reconnaître. Je me permets de rappeler, est-ce que le nom de Georgina Bruni vous dit quelque chose? Non. Alors, je fais encore une petite incise. Je peux toujours vous guider si vous en avez marre de mes incises, mais moi, j'aime bien fonctionner comme ça. Allez-y. Vous vous rappelez sans doute les merveilleuses lois de Guérin. Ça vous dit quelque chose, Pierre Guérin, l'astrophysicien? Ah si, Pierre Guérin, On a quelques scientifiques rares, mais qui étaient de nature, qui s'intéressaient aux dossiers OVNI. Ah oui, donc, très intéressant. Hein. Et Pierre Guérin avait formulé une loi, qui s'énonçait ainsi: en ufologie, toute loi à peine promulguée et démontrée est immédiatement anéanti par les observations suivantes. Est immédiatement démenti par les observations suivantes. Il faisait une pause et il poursuivait, y compris celle-ci. Personnage merveilleux, Guérin. Bon, alors. On peut d'ailleurs retrouver encore des émissions avec Pierre Guérin sur YouTube. Je l'ai découvert comme ça, et c'est vrai que c'était un très grand personnage dans les années 70-80. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. En fait, il m'avait écrit à propos de mon livre. Il m'a dit, votre livre est absolument passionnant, je l'ai adoré. En plus, il est très bien écrit, il m'a fait toutes sortes de compliments. Et il m'a dit seulement, vous tombez sur une chose. Nous n'avons pas des visiteurs, nous sommes envahis. Nous ne savons pas. Ça, c'était l'avis de Pierre Guérin. Mais je poursuis. Nous sommes envahis d'eux, on n'a pas très bien entendu. Par les extraterrestres, nous n'avons pas quelques visiteurs, nous sommes envahis. D'accord. Bon. Et Georgina Bruni, que j'avais rencontrée grâce à mon copain Nick Pop, femme très intelligente. Georgina Bruni, puisqu'elle habitait Londres, elle tenait une chronique, elle tenait parce qu'elle est morte malheureusement, et après avoir des visiteurs, elle s'attendait absolument pas à avoir des visiteurs, Georgina, je peux vous le dire. Elle avait une chronique très brillante, politique à la radio, très suivie. Et elle découvre
comme toutes les journalistes qui ont le nez, qui savent où il faut renifler, elle découvre l'affaire de Rendlesham. Elle trouve ça absolument passionnant et elle commence à enquêter sur l'affaire de Rendlesham. Et un jour, à un cocktail, elle rencontre Madame Thatcher. Et Madame Thatcher lui dit « Ah, chère amie, qu'est-ce que vous devenez ?» etc. Et Georgina lui dit écoutez, je suis en train d'écrire, je travaille sur l'affaire de Rendlesham, mais je suis en train de préparer un livre à ce sujet. Et Madame Thatcher la regarde et lui dit « You can't tell the people !» Vous ne pouvez pas raconter ça aux gens. Et du coup, c'est devenu le titre du livre de Carla Bruni. Et à propos, je fais un saut, parce que les gens, moi j'en ai un peu marre de tout ce qui se dit. Je lis toujours 100 fois le même papier, j'écoute 100 fois la même interview, etc. Personnellement, ça commence à m'ennuyer. Et quand j'entends toujours dire les abductions, ça commence avec Betty et Barney Hill. Savez-vous quelle est la vraie bonne abduction qui a eu lieu avant ? Exactement 3 mois, jour pour jour avant. Et c'est quelqu'un que vous connaissez tous. Bon, vous ne savez peut-être pas qu'il a été enlevé, mais j'ai le droit de le dire. Ronald Reagan ? Non. Vous connaissez tous. Allez-y. Les anglophones, parce que je ne crois pas qu'ils parlent français. Peter Robbins. Ça vous dit quelque chose ? Il a une chaîne très intéressante. Bon. Il se trouve que j'ai rencontré Peter Robbins qui travaillait avec Bud Hopkins. De mémoire, ce ne serait pas le frère d'une personnalité connue ? Connue du showbiz. Ouais. Hélène Wills, elle avait un groupe de rock. Très connu. C'est ça. Bon. Voilà, c'est ça. Ouais. Je connais ouais. La musique rock. Bon. Alors, Peter et sa sœur ont une aventure extraordinaire parce que c'est un enlèvement à deux. L'affaire de Betty et de Barney date du mois de septembre, le 19 septembre. Et ça s'est passé le 19 juin, donc avant. Peter est avec sa sœur dans le jardin de leur maison. Et quand il voit une lueur bleue, il voit 5 ovnis dans le ciel, et puis une lueur bleue, et Peter vit quelque chose de très curieux. Il a l'impression que ce rayon bleu le fait tomber par terre, et au lieu de tomber normalement, il tombe au ralenti. Il dit « J'ai l'impression que j'ai mis à peu près 10 minutes pour passer de la station verticale à par terre. » Et je voyais avec une netteté extraordinaire, les moindres brins du gazon, avec les fourmis et tout, pendant que je tombais lentement, lentement, lentement. Sa sœur ne sait pas ce qui se passe. Et à un moment, il se sent réveillé, secoué par sa sœur, et il lui dit télépathiquement, il ne savait pas qu'il pouvait parler télépathiquement, « Ne me touche pas et ne me fais surtout pas parler de ça. » Les enfants sont un peu bizarres, ils rentrent à la maison, ils ne parlent de rien, et Peter, qui a oublié d'être bête, se dit « Faut quand même, je me renseigne, ça avait l'air d'être des ovnis. » Il va à la bibliothèque de sa ville, je crois que c'était New York, je ne suis pas sûre. Là. Et il tombe sur le livre de Desmond Lilly, le fameux livre de Desmond Lilly. Vous voyez ce bouquin que je veux dire ? Non ! Ils ont... Ah, je ne sais plus quel est le titre. C'est le plus grand, le plus célèbre bouquin du début de l'ufologie. Desmond Lilly... Bon, ça reviendra. Ça ne fait rien. Il ne parle absolument de rien. En 1975... Peter déjeune avec sa sœur et lui dit, tu trouves pas que c'est bizarre ? Il nous est arrivé quelque chose d'invraisemblable, on n'en a jamais parlé. Et sa sœur lui répond, Hélène lui répond, ben oui, tu m'as dit que tu voulais pas en parler, j'ai respecté ta demande.
Peter, mais c'est pas possible, ça, mais c'est pas possible, on a vu des ovnis, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis drôle, là. Bon, to make a long story short, il décide de faire une psychothérapie, parce qu'il se dit, c'est pas possible, j'ai inventé, etc. Hélène a des souvenirs de tout. Hélène a des souvenirs, comment elle est rentrée dans l'engin, ce qu'on lui a fait subir, etc. Quand je l'ai rencontrée, d'ailleurs, elle m'a permis de photographier le tatouage qu'elle s'est fait faire, tout pour du sexe. non. Qui représente un ovni. Elle s'est fait tatouer un ovni tout près du sexe. Bon, elle a eu beaucoup de succès avec son groupe rock. Et Peter a totalement changé de vie. Il avait une petite amie, il était très heureux, il voulait être peintre, il prenait des cours aux Beaux-Arts, etc. Sa vie était tracée. Et d'un seul coup, il tombe dans la marmite, dans laquelle nous sommes tous d'ailleurs, dans la marmite ovni. Il a complètement changé de tout. Et comme il est loin d'être bête, il s'est dit, je vais suivre une psychothérapie pour savoir si je suis dingue ou quoi. Mais je ne veux pas voir n'importe qui. Je veux voir un psychologue qui travaille avec... Il a vu le docteur Barker. Le docteur Barker travaillait avec... Décidément, c'est Alzheimer, ma parole. Bon, ça me reviendra tout à l'heure. Bon. Il travaille sur les ovnis et il devient ami de Larry Warren et décide d'écrire un bouquin sur l'affaire de Rendlesham, puisque Warren était un témoin. Pour vous montrer l'honnêteté intellectuelle de Peter, que j'estime beaucoup, il a fait un énorme bouquin, je l'ai vu travailler pendant 4 ans. Qu'est-ce qu'il s'est donné comme mal ? Left at East Gate. Et quand il s'aperçut que Larry Warren avait accumulé les mensonges, il a téléphoné à l'éditeur et il a interdit la diffusion de ce livre auquel il avait consacré entièrement 4 ans de sa vie. Pour vous montrer le personnage. De même que, il dit toujours qu'il n'a aucun souvenir de son enlèvement, alors que sa sœur s'en souvient. Et pour vous montrer son honnêteté, il a travaillé plusieurs années avec Bud Hopkins. Il avait tout le matériau à portée de main pour fabriquer des récits. Un personnage comme ça. Et on continue à nous dire, non, le premier enlèvement, c'est Betty et Barney Hill. Ben non. Voilà. Bon, petite parenthèse. Voilà, comme quoi, des fois, il ne faut pas se fier à ce qu'on entend. Et voilà. Et je voulais aussi savoir une chose qui me semble importante. Parce qu'on a fait une émission il n'y a pas longtemps avec le Séro France, enfin, du moins avec, des membres du Séro France, c'est-à-dire des abductés. C'était pas avec Myriam Belmire, hein, c'était avec les abductés eux-mêmes, dont Yann Alexander, qui est un artiste, tout ça, bon, etc., etc. Et dans cette émission, il y avait la psychologue, c'était une psychiatre, il me semble, pas psychologue. Psychothérapeute. Écoute, j'ai un doute. Enfin bref. J'ai plus son nom en tête. Hein, mais... Isabelle de Kochko. Et quand j'ai parlé... Voilà. Et quand je parlais de paralysie du sommeil... Là, tout de suite, elle me sautait dessus en disant « Excusez-moi, je vous reprends, ce n'est pas une paralysie du sommeil, c'est une paralysie tout court. » Elle a raison. Là-dessus, je dois admettre qu'elle a raison parce qu'on n'est pas en train de dormir quand ça se produit, puisque moi-même, j'ai vécu ce genre de choses, je vis ce genre de choses depuis 2003. Donc, ça fait un certain temps que je vis ce genre de choses et effectivement, je ne suis pas endormi. Je suis bien conscient, donc on ne peut pas peut-être rajouter sommeil derrière. Ce que je voulais savoir, c'est que dans toutes vos enquêtes, votre connaissance des abductions, des abductés, tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui ressort souvent, les paralysies ? Parce qu'apparemment, d'après Isabelle de Kochko, c'est quelque chose qui est mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que c'est... Moitié-moitié. Il y a
C'est simple, sur les 4 abductés qui étaient dans l'émission, il y en a 2 qui avaient subi des paralysies et 2 autres qui ne se souvenaient pas de paralysie. D'abord, il est de fait que le scénario des enlèvements a quand même beaucoup changé depuis le temps du travail dessus. Tout à fait normal, je vous le disais tout à l'heure, les formes des ovnis sont passées du cigare au triangle en passant par un certain nombre de formes. Les enlèvements aussi, pareil. Il y a toutes sortes d'épisodes que je chérissais, que je ne retrouve plus dans les récits des abductés qui viennent me raconter leurs histoires. Bon, alors, la paralysie du sommeil, c'est quelque chose qui existe, incontestablement, sur lequel on a beaucoup fantasmé également. La paralysie du sommeil, ça correspond à quelque chose de très précis par rapport au cycle du sommeil dans lequel on rentre. Vous, vous dites que vous avez des paralysies du sommeil, et qu'est-ce qui se passe pendant ? Ah, Olivier. En ce qui me concerne. Bon, comme j'en avais parlé dans l'émission avec le Séro France, alors là, je peux le redire encore une fois. C'est-à-dire que je suis très conscient de tout ce qui se passe autour, donc je suis réveillé, mais il y a des sensations. Alors déjà, le corps tout paralysé, je ne peux pas ouvrir les yeux, je peux à peine bouger les doigts de la main. C'est peut-être la seule chose que je peux faire, et j'entends tout ce qui se passe autour, et parfois, mais pas tout le temps, ça je le précise, pas tout le temps, je sens parfois des présences, c'est vrai, quelque chose qui est au bord du lit, des choses comme ça, ou bien la sensation que le lit tourne à 360 degrés, ou bien que je lévite aussi, des sensations de lévitation. C'est bizarre si vous dites que vos yeux sont fermés, donc vous ne voyez pas. Rien du tout, rien du tout. Et comment est-ce qu'elle a réagi, votre psy, quand vous lui avez dit ça ? Alors là, vous me posez une question, je n'ai même pas le souvenir de ce qu'elle m'avait répondu, je ne sais pas si, parce qu'ils étaient présents, hein. Il y avait Bruno, Eric qui était là, Gérald, je ne sais même plus ce qu'elle m'avait répondu, oui Gérald. En fait, ce qu'elle disait clairement, c'est que le phénomène de la paralysie du sommeil n'avait absolument aucun lien, en fait, avec les abductions, et que tout simplement, tout ça a été expliqué médicalement, et qu'il ne fallait pas parler de paralysie, il ne fallait vraiment pas parler du sujet paralysie du sommeil. Oui, qu'il ne fallait pas confondre. Voilà. En fait, ça n'avait rien à voir. Il se pouvait qu'effectivement, lors d'abduction, il y ait une paralysie, mais ce n'est pas une paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil existe et elle ne doit pas être mise en relation avec les abductions. C'était ça qu'elle disait. Peut-être que le phénomène donne les mêmes effets qu'une paralysie du sommeil, mais pour elle, la paralysie du sommeil, oui, elle est explicable, elle est médicale. Non, c'est vrai, je le reconnais, j'ai eu en fait la maladresse de dire paralysie du sommeil. En fait, j'aurais pas dû rajouter sommeil, j'aurais dû dire paralysie tout court. On est bien d'accord là-dessus, Marie-Thérèse. Oui. Voilà. Ouais. Mais alors, oui, vous me demandez, vous sembliez surprise par rapport à les yeux fermés. Oui. Ah, c'est que ça vous parle alors. Bien sûr, ça me parle. Parce que je peux vous dire que tous les témoignages d'abductés qui racontent qu'ils éprouvent cette paralysie, ils décrivent parfaitement ce à quoi ils assistent. Ah. Donc, alors, à moins que vous ayez un troisième œil ici, oui. Si vous avez vous fermé, ouais. On va voir. Ah, parce que moi, effectivement, je précise, je n'ai jamais rien vu. Quand je dis l'impression de présence, je n'ai jamais rien vu d'étrange, de bizarre, tout ça. Par contre, j'ai entendu des choses, des amplifications de sons, des choses qui résonnent, des choses, par exemple,
des scènes qui se passent à, je sais pas, peut-être à 10 mètres de moi, mais amplifiées, que soudainement, j'entends tout ce qui se passe de version amplifiante, comme ça. Oui, ça, oui. Mais c'était tout auditif. Ça n'a jamais été du visuel, en fin de compte. Hein. Exacerbé, oui. Ouais. C'est pas du tout une preuve d'enlèvement pour moi, ça. D'accord. Voilà. Et puis lévitation, bon, sensation de lévitation, des choses comme ça, ça non plus, c'est pas... Enfin, vous pensez pas que ça peut... On peut l'expliquer, ça aussi. Alors, moi, j'ai tendance à m'intéresser plus à des choses un peu plus square, quelquefois. J'ai vu à New York un chanteur de rock, d'un groupe que vous devez certainement connaître, moi je vous dis, je connais rien du tout au rock, à qui il était arrivé une aventure très désagréable. Il était avec ses musiciens, ils étaient cinq, je crois, dans une chambre d'hôtel. Un phénomène limite s'est passé, s'est produit dans la chambre, et ce musicien est passé, comme dans le passe-muraille, à travers le mur. Panique totale des quatre autres musiciens qui sont sortis dans le corridor, ils n'étaient pas là, et le chef de ce Richard était bel et bien passé dans la chambre d'à côté, dont la porte était fermée à clé. Il a fallu appeler l'hôtel pour lui ouvrir. Là, c'est quand même plus intéressant. Bon, je vous le dirai encore une fois, je n'y étais pas. J'ai tendance, Dieu sait que des canulars existent hein, dans ce domaine, mais là j'ai tendance à les croire par leur effet, leur stress suite à cette aventure ne s'invente pas. Quand vous inventez quelque chose, vous n'êtes pas stressé. Bon, je peux vous raconter n'importe quel mensonge, je ne me stresse pas. Mais les aventures vécues épouvantables me stressent. Récit, non. Mais c'est une des choses les plus intéressantes du phénomène. Mmh. Je pense qu'on est, ni Luis Elizondo. Tiens, Luis Elizondo, pourquoi est-ce qu'il ne sponsoriserait pas l'autre, Bezos? Voilà des gens qui devraient sponsoriser un petit peu la recherche ufologique. Quand on regarde le budget national de la santé aux États-Unis et quand on regarde le nombre de gens qui sont perturbés par les histoires d'ovnis ou d'enlèvement, ça vaudrait peut-être le coup de consacrer une recherche médicale sérieuse sur ce sujet, avec des fonds. Bien, nous avons tous le but. Ah oui. Bah oui, enfin. Eh oui, ça oui, c'est une question légitime. Autre question encore. Est-ce qu'il existe autant de cas qu'avant, encore à l'époque actuelle ? Je sais pas, moi je continue à recevoir quand même beaucoup de... Moi, pour le moment de la santé de mon vie, bien sûr. Mais je commence à recevoir beaucoup... Je continue à recevoir beaucoup de téléphones de gens qui sont déçus par les aides qu'ils avaient cherchées. C'est très difficile, vous comprenez. On ne peut pas apporter une aide. Je crois que l'écoute est très importante. Moi, au début, j'ai fait la bêtise, et je le reconnais tout à fait officiellement. J'avais appris les techniques d'hypnose et j'ai pratiqué l'hypnose ericksonienne, hein, pas l'hypnose profonde. Ah, que j'avais faite à Paris d'ailleurs. Ouais, j'avais fait ça à Paris. Hypnose ericksonienne. Et je ne pratique plus. D'abord, ce n'est pas mon métier, je n'ai pas la formation. Et quand il m'est arrivé de faire accoucher des récits absolument terrifiants, je reconnais que je n'ai pas la distance que doit et que peut avoir un vrai psy, un véritable psy, vis-à-vis de la souffrance de son patient. Moi, je prends ça en plein dans la figure et je n'ai pas envie. Donc, c'est terminé. Cela dit, je trouve qu'il y a une évolution et très nette vers des enlèvements de plus en plus sympathiques et une conception des IT de plus en plus sympathique, à l'opposé des fantasmes de M. Jacobs. Alors, justement, qu'est-ce que vous appelez sympathique ? Ah, c'est pas parce qu'ils ne vont pas vous...
cueillir vos bleuets pour vous ou faire vos travaux ou quoi que ce soit, ils vont vous aider. Mais ils ont deux choses, à mon avis, qui sont quand même très amicales. C'est le fait de nous mettre en garde contre les dérives dans lesquelles nous plongeons. Il y avait beaucoup de fantasmes à l'époque où on vivait en pleine guerre froide. Les abductés étaient tous, recevaient tous des messages sur le péril nucléaire, etc. Et des espèces d'avertissements. Il est bien évident que, contrairement, je suis désolée d'avoir l'air de m'en prendre continuellement à lui, aux peurs de M. Jacobs, si les E.T. avaient voulu nous bouffer depuis longtemps, ils l'auraient fait. À part de très rares cas d'accidents, notamment au Brésil, mais qui ne sont pas forcément voulus, on ne peut pas dire que les manifestations supposées d'aliens aient été néfastes. Et je crois qu'au contraire, que plus nous réfléchissons à ces sujets, plus nous approfondissons notre intelligence et nous creusons notre champ de conscience. Je crois que c'est très important. Donc je pense, pour moi, je suis en fait, hein, pour moi, on n'en est pas encore arrivé au dernier mot, mais ce qui se passe me semble plutôt rassurant comme perspective. D'ailleurs, je crois que vous connaissez Ray Hernandez, non ? Ah oui, 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 j'ai fait deux émissions avec lui. Vous voyez bien, ce sont des gens qui travaillent sérieusement. C'est rare d'entendre des gens qui travaillent sérieusement sur les enlèvements. Étant donné qu'avant d'accepter un présupposé enlevé, ils lui font passer tout un questionnaire. Je crois qu'il y a 900 questions. Hein. On n'accepte pas n'importe qui a envie. Ouais, c'est une batterie de questions, oui, oui. Effectivement. Hein. Qui a envie de se faire un peu de pub, de se faire mousser, de se faire une conférence pour les réseaux sociaux. Non. Sérieux, vous comprenez ? Avec des chercheurs sérieux. C'est sous l'égide de Mitchell, tout ça. Hein. Et le diagnostic, c'est qu'ils disent, je ne sais plus le terme exact de la statistique, mais il me semble que c'est 67% d'expériences positives. Hein. Ouais, c'est énorme, énorme. Donc ça nous fait un peu la balance, comme quoi ce fameux David Jacobs se trompe parfaitement, hein, complètement. Eh oui. Sur David Jacobs, quand même, il a écrit un jour à Jacques Vallée. Jacques Vallée envoie de temps en temps des doutes de ses correspondances, notamment, petit détail, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps en rangeant mes papiers. Il avait envoyé deux lettres très fâchées à deux bons ufologues français, Robert Roussel et l'autre Joël Ménard, pour les engueuler, faisant des mises au point bien, bien nettes. Et il m'a envoyé également, en ces temps d'en rire, et le mot qu'il accompagnait était très drôle, les lettres d'engueulade qu'il avait reçues de Jacobs, lui disant « Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. N'oubliez pas que Jacobs, qui se dit professeur d'histoire, il n'est pas professeur d'histoire. Il est professeur assistant. » Je précise qu'aux États-Unis, il y a une grande différence entre professeur assistant et professeur. C'est une vieille universitaire qui vous parle, même si je me fous de mes diplômes. Bon, Jacobs lui a envoyé une lettre l'engueulant, lui disant « Comment est-ce que vous osez parler du sujet ?» C'était au moment de « Passeport pour Mahagoni ». Il ne faut absolument pas dire que ces véhicules peuvent être habités, etc. Lui qui reprochait à Jacques Vallée de dire que dans les récits du Moyen-Âge, des visiteurs célestes, les vaisseaux célestes étaient habités. Et c'est lui qui maintenant, on va dire, ils sont là, ils sont en train de faire des enfants, ils nous prélèvent nos ovules et notre si précieux sperme pour fabriquer des hybrides. Non mais bien, très bien. Très bien. Bon, alors Marie-Thérèse, oui. J'ai une proposition à vous faire parce que là, c'est vrai qu'on est quand même à 2h10 d'émission, là, rien qu'avec vous, ce qui est quand même énorme, mais tellement intéressant. Hein.
Vraiment, on pourrait vous écouter toute une nuit, quoi, tellement que c'est intéressant. Mais comme c'est l'émission spéciale, c'est une émission qui est ouverte à tout le monde, voilà, avec divers sujets. Hein, on avait commencé avant de vous recevoir avec l'actualité ufologique, des tas de choses, tout ça. Est-ce que vous accepteriez de rester avec, cette fois-ci, pour écouter notre ami Jean Morissette, hein? Jean, finalement, je vais te donner la parole, parce que tu en as pour combien de temps, à peu près? On t'entend pas, hein? On t'entend pas, réactivation du micro. C'est pas trop, trop long, je dirais même pas 15 minutes. Ah, voilà. Donc, Marie-Thérèse, est-ce que vous restez avec nous? Bien sûr. Avec plaisir. Merci beaucoup de rester avec nous. Et ça nous fait très plaisir. Et vraiment, c'était passionnant. Encore une fois, hein, bon, je crois que toutes les questions ont été faites. Il n'y a plus de questions là pour les abductions. Bruno, Gérald, Eric, Jean, pour, allez-y, dernière question. Pour aujourd'hui, ça suffira. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de revoir Marie-Thérèse dans une autre émission parce que... On pourrait tous l'écouter. Voilà, c'est passionnant. C'est passionnant. Et je pense qu'elle a encore des heures et des heures à nous raconter. J'insiste et j'appuie Gérald. Secondé. Okay. Alors maintenant, on t'écoute, mon cher ami Jean. Vas-y, fais-nous rêver. Et puis surtout, je pense que ce sujet va surprendre Marie-Thérèse. Parce que le titre, c'est, rappelle-nous, Vin et spiritueux et paranormal. Non, mais on a tous fait des réunions où ce qu'on parlait de paranormal, d'OVNI, de fantômes. Et moi, j'ai comme vous savez, Bruno peut en témoigner, j'ai plusieurs passions dans la vie, dont le paranormal, l'ufologie. Puis comme que j'ai travaillé 30 ans à la Société des alcools du Québec, la SAQ, une de mes spécialités, c'est lorsque le monde venait dans mon magasin puis qu'il disait « Moi, j'ai une fête pour un François ou pour un monsieur un tel, une dame un tel. Je voudrais avoir un vin qui se rapporte ou à son ouvrage. » Puis le monde, il disait « Non, non, va voir Jean. » Fait que le monde venait me voir. Fait que c'est un sujet qui est festif. Et j'ai même convaincu Bruno dans un restaurant à Québec. Bruno disait, voyons donc, tu ne vas pas me faire croire que ton vin que tu viens d'acheter à 30$, il est meilleur que celui que j'achète à 8$. Ben oui, je l'ai convaincu. Il pourrait en témoigner. Et comme c'est un sujet pour adultes, je veux juste vous dire que comme on a souvent dit au Québec, la modération a bien meilleur goût. Et je peux en témoigner parce que depuis plus que 30 ans que je travaille à la SAQ, on s'est aperçu que le monde buvait moins, mais ouais. Buvait mieux. Alors, permets-moi de rajouter un message pour la France, hein, parce que quand même, il faut rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On est obligé de le dire dans cette émission. Boire en sous, consommer avec modération. Vas-y, Jean. Et si vous êtes enceinte, même pas les vins à 0,5%, ça, je vous le dis. Moi, à toutes les fois qu'une femme dit « Ah, moi, je suis enceinte, je voudrais un vin sans alcool », je disais « Non, 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 0,5, c'est de l'alcool. » OK, mettons que vous vous réunissez puis que vous voulez parler de l'Église catholique, de l'Opus Dei, du Vatican et de sa bibliothèque secrète. Là, vous ne les voyez pas, mais au montage, vous allez les voir. Ben, il y a un vin qui est idéal là-dessus, ça s'appelle Cuvée du Vatican, qui est un Châteauneuf du Pape, donc français. C'est un vin qui est tout féminin, qu'on mérite qu'on laisse vieillir. À partir du moment où ce que vous l'achetez, vous l'entreposez, couchez, vous attendez un 2, 3, 4 ans et ça va être extraordinaire. Alors, vous voulez parler en réunion toujours de complots mondiaux. Quel est le vin idéal? Ça s'appelle du Riparosso, qui est un Montepulciano d'Abruzzo. Italie. Et le nom de la compagnie qui fait ce vin-là, Illuminati. Ça ne s'invente pas.
vous voulez parler d'alchimie. Qu'est-ce que vous allez prendre? Il y a une vodka qui s'appelle U-LUVKA. J'espère que je le prononce bien. Et quand vous lisez les instructions qui sont sur la belle bouteille que vous êtes en train de voir, probablement, c'est marqué que le roi Sigismund III, que vous êtes en train de voir la photo, de la Pologne, il s'est aperçu que son peuple buvait des mauvais alcools et que le lendemain, il était moins productif et qu'il avait mal à la tête et tout ça. Fait que lui, ce monsieur-là, avait un alchimiste qui travaillait pour lui, qui s'appelait Sandy Vogius. J'espère que je le prononce bien. Et ce gars-là a inventé cette vodka-là qui, quand tu la prends, n'a pas d'effet secondaire. Bon, donc, vous vous réunissez encore sur la thématique les sorcières, le Moyen Âge, l'Halloween. Et pour ça, vous avez plusieurs vins qui vont se marier avec ça. Vous en avez un qui s'appelle Cuvée des Fées. C'est un vin de Casalviel. C'est un Saint-Chinian. C'est un français. Un goût très, très présent là, qui va très bien avec les fondus, les bons plats chauds. Là. Mais si vous préférez manger de l'italien, il y a un vin qui s'appelle Il Grifone Affida, qui est un vin italien comme de raison. Et je vous rappelle qu'un griffon est un animal fabuleux de légende qui a un corps de lion et une tête d'aigle. Un autre que vous pouvez prendre, toujours sur le même thème, ça s'appelle Les sorcières du Clos des Fées, qui est un côte du Roussillon que vous devez connaître, qui font des superbes vins. Ça l'accompagne les fromages forts, les bons plats viandés chauds. Et pour les desserts, toujours sur la même thématique, vous avez un vin d'Alsace, qui est un Gewürztraminer, qui est un vin donc liquoreux, sucré, qui s'appelle Les Sorcières. Et c'est de la compagnie Duff and Irion. J'espère que je le prononce bien. Donc, ça l'accompagne, c'est ça, vos desserts, ça se prend tout seul pour vous faire digérer. Dauphin Irion, peut-être. Hein. Ah, merci beaucoup. D'accord. C'est très alsacien. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est bon, là. C'est du nectar, honnêtement. Mais moi, je rajouterais que le meilleur vin rouge, pour moi, c'est le Pinot Noir d'Alsace. Hein. Pour moi, hein, en ce qui me concerne. Hein. On n'en a pas beaucoup, ça. Puis quand on en a chaud dessus, et tu as parfaitement raison, c'est savoureux, c'est fruité, là. C'est pas sucré, là. C'est fruité, c'est voyons... Gorgeous en français, c'est quoi, non? Gorgeous, aidez-moi. C'est des vins rouges qui sont assez légers, je trouve. Oui, c'est plein de saveurs. Si on rentre dans le débat, il faut quand même... Et puis, on n'est pas loin de l'Alsace. Il ne faut pas oublier qu'en Bourgogne, il y a quand même les meilleurs vins du monde. Et voilà. Ah bah oui. Alox Corton et compagnie. Bien c'est sûr. Même... Je suis très d'accord. Gérald, si tu cites Nuit Saint-Georges, c'est clair que c'est les meilleurs vins qui existent. Quoi. C'est clair. Ou tu peux même aller à Bordeaux. Cheval blanc. Ah, cheval blanc. Ah oui, un conseil là, Jean, tu vois, conseil de Marie-Thérèse, cheval blanc. Ah oui, c'est un des premiers crus de Bordeaux. Merveille, oui, le cheval blanc. C'est fantastique, ça. C'est cher, mais c'est fantastique. J'aurais encore plus convaincu Bruno que les vins chers, ça vaut le coup, là, avec ça. OK, on tombe à un autre thème. Vous vous réunissez pour écouter ou pour parler des X-Files, donc du paranormal. Il y a un excellent vin rouge et blanc d'Afrique du Sud, et ça ne s'invente pas. Le nom, c'est Mulder Bosch. M-U-L-D-A-R-B-O-S-H. C'est en un mot, Mulder Bosch.
Par contre, j'ai rien trouvé sur Danasculi. Je suis désolé. OK, on continue avec un autre thème. Harry Potter, la magie, la sorcellerie et la mythologie. Le vin s'appelle Cuvée Mythique, qui vient de France. C'est un vin du pays d'Oc. Et on voit même le fameux hibou de Harry Potter. Ça ne s'invente pas, là. C'est une belle étiquette orange. C'est une étiquette criarde, mais le vin est très, très bon. OK, on tombe à une autre... Il faudra quand même que tu précises à la fin pourquoi tu nous parles de tout ça, hein, parce que c'est ton job. Et ah nous oui, donner l'adresse de cette boutique. Ah, je l'ai dit au commencement, je travaille là-dedans. Là. Moi, ça fait 30 ans et plus que je travaille là-dedans. C'est une passion. Moi, j'ai organisé souvent des vins fromages, des soupers pour des mariages, pour des thématiques, pour des 30e anniversaire. Ça, Jean, ça me plaît que tu dises que ça te, tu vois, que c'est quelque chose qui est une passion, en même temps c'est ton job, ça me plaît. Et ça, tu en parles avec amour et tu connais très bien finalement, tu maîtrises parfaitement le sujet, c'est ça qui est bien. Si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas le genre à me vanter, même si c'est le contraire. Mais ça, je sais que c'est une de mes forces. J'ai même retourné à la SEQ, là, ça fait un petit peu plus que 3 ans, à temps partiel, pas pour l'argent, parce que, un, le monde sont super fins, deux, je peux goûter à des choses que je ne me payerais même pas. Ben là, ça fait 2 ans que l'on ne goûte plus à cause de quelque chose qui s'appelle la COVID. Alors, les dégustations sont complètement arrêtées. Fait que je suis 2 ans en retard, mais ce que je me souviens, puis ce qu'on entend dire, puis ce qu'on lit aussi, parce qu'on ne peut pas tout connaître, hein. Je me plais souvent à dire à mes clients, vous savez, la légende urbaine qui dit que l'on a tout goûté, là. C'est pas vrai, là. Parce que ou je serais malheureux, ou ben je serais toujours gorlot, là. C'est un des deux. Fait que on continue. Une autre thématique, les sorcières, que j'ai parlé avant, mais c'est pas grave. Les sorcières, le Moyen-Âge, l'Halloween, mais pour des soirées coquines. Vous savez, il y en a qui font des petites soirées coquines. Ça existe. Il y a un hydromel de miel et de cassis, c'est québécois. Je ne sais pas si vous avez ça en France, peut-être sous un autre nom, mais nous, ça s'appelle Nuit d'amour. OK, ça veut tout dire. Tout simplement en plus. Hein, tout simplement. En toute simplicité. Ouais. En toute simplicité. Et peut-être pour pouvoir jeter un sort à l'être que vous désirez. Il y a quelque chose qui s'appelle, c'est québécois, c'est du whisky mélangé à notre bon sirop d'érable qui s'appelle sortilège. Et on a même un sortilège qui a été vieilli 7 ans. Ça, là, si vous pouvez mettre la main là-dessus, c'est fantastique. C'est tellement bon. La main ou autre chose? Alors! Là, je m'en mêle pas. Ah, vas-y. C'était plus fort que moi, vas-y, poursuis. Ben non, ben, on l'a dit que c'est un sujet pour adultes. Aïe. Et un sujet qui me plaît beaucoup, 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 les Templiers et le Moyen-Âge. Vous avez le choix. Il y a le château de Sancerre qui vient de la Loire, donc de la France. Et sa belle étiquette avec un magnifique chevalier que vous êtes en train de voir. Vous avez un cuvée du Temple. C'est un magnifique vin du Liban. Écoutez, c'est jamais cher pour ce que ça vaut, ça. Moi, le Liban, là, ces vins-là, là, Xara aussi, qui viennent du Liban. Pour le vendre, je disais à mes clients, ça, c'est un vin pour les pas peureux. Il disait pourquoi? Ben, je disais, c'est parce qu'il n'est pas cher, puis le monde, il ne l'achète pas. Parce qu'il n'est pas cher, ils ont peur qu'il ne soit pas bon. Oh, moi, je ne suis pas peureux, moi. Et j'en ai fait vendre, là. Puis il revenait. Le monde, il revenait pourquoi?
Pas parce qu'il était pas cher, parce que c'était bon. Ça, ça me fait penser qu'il n'y a pas longtemps, j'avais vu un documentaire sur l'Arménie et il y avait du vin arménien dans ce reportage, dans ce documentaire. Je connais pas. Il paraît qu'il était somptueux, ce vin arménien, tu vois, aux frontières de je ne sais plus quel pays. Enfin bref, voilà, au Moyen-Orient. Aussi, non ? Comme quoi, finalement, il n'y a pas que dans nos pays d'Europe que le vin est somptueux. Il y a aussi, paraît-il, dans d'autres pays du globe. Ah oui, ben, un autre vin que j'ai vendu beaucoup et qui n'a aucun rapport avec ces thèmes-là, c'est le monde, il disait, je veux un bon vin, un pinot noir. Qui parlait de pinot noir? Tantôt. Ah, c'est moi, j'adore. C'est j'adore toi? Le pinot noir d'Alsace. Ouais. Là, je ne me rappelle pas du nom, mais je t'enverrai le lien que tu pourras montrer. Encore une fois, je disais, ouais, mais j'ai un vin pour les popereux. Il disait, pourquoi? C'est parce qu'il vaut 8,50. Puis le monde, ils se disent, c'est pas cher, donc c'est pas bon. C'est pas vrai, là. Et j'en ai fait vendre, là. C'est parce qu'il est bon. OK, oui. On continue toujours Moyen-Âge Templier. Il y a un vin, un Chianti qui s'appelle Gabbiano, avec une autre belle étiquette, avec un chevalier, que vous êtes avec les mets italiens, comme de raison. Un Bordeaux qui s'appelle Chevalier Bacalan, ou Bacalan, je ne sais pas. Encore une fois, c'est un très bon médoc à un très bon prix, plus que raisonnable. Avec, encore une fois, des bons plats chauds, là. Fantastique. Et, évidemment, vous avez cuvée Templière, qui est un pays de Cévennes, de la France. Et ça, là, je vous jure que j'en ai ouvert de ce vin-là. Là. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup d'heureux et d'heureuses avec ce vin-là. Bien sûr. OK, et un autre de mes thèmes favoris, et là, ça devrait tout vous intéresser, un vin sur les ovnis. Et attendez voir les photos, là, vous allez tomber par terre. Vous n'êtes pas sans savoir que le 28 octobre 1954, l'Aurore, qui est un journal, rapporte que Lucien Jeune, qui est alors maire de Châteauneuf-du-Pape, suite à de nombreuses observations ovnis, succubes volantes dans le temps, a émis un arrêt municipal, ça ne s'invente pas, interdisant le survol de sa commune aux succubes volantes. Je vous jure, là. Le maire a fait un édit et interdisant aux ovnis de survoler sa région et surtout d'atterrir sur les vignobles. Et la compagnie Bonnet Doune aux États-Unis, en Californie, pour commémorer ce fait, allô Pitou, a créé un vin formidable qui vaut son prix et qui s'appelle, je vous le donne en mille, le cigare volant. L'étiquette du devant de la bouteille dit tout. Vous êtes en train de la regarder, mais en attendant, je peux vous la montrer. Ce qu'on voit très, très bien, un cigare volant. Attends, recule un petit peu la bouteille parce que là, c'est flou. Voilà. Vous voyez très, 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 très bien dans le haut, un cigare volant qui survole... On ne voit pas tellement, mais ce n'est pas grave, je rajoute un vignoble, mais vous allez encore mieux le voir sur les photos. Et attendez de voir les trois photos de la boîte que j'ai réussi à me procurer, parce que c'est rare comme je dirais pas quoi. Et, tout le monde sait ce que je veux dire, mais la boîte vaut le détour. Et bon. Vous qui êtes au Québec, n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez du vin sur ces thèmes-là ou d'autres thèmes. Je travaille à Québec sur la 3e avenue, à Destimoville, à Beauport, sur Blanche-la-Montagne. Et merci de votre écoute et bon repas
paranormaux bien arrosés. Et surtout, Jean Morissette vous reversera 20% sur UFO Conscience. Je rigole. Alors, on en reparlera. Non, mais c'est bon, c'est une pub gratuite. Enfin, ce n'est pas vraiment une pub parce que c'est un sujet qui est assez original. On peut en convenir. Oui, Bruno, vas-y. Oh, je riais tout simplement de la bonne blague et de l'humour ambiant, tout simplement. Mais ça donne soif et ça donne faim, surtout. Vraiment. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il reste encore un tout petit peu de temps là, pour peut-être parler des drones, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me semble important là, en ce moment, les drones en Suède, je ne sais pas. Est-ce que vous avez entendu parler de ça, Marie-Thérèse, les fameux drones en Suède? Oui, mais enfin, ils n'ont rien de plus de différent des drones qu'on a pu voir en France et un peu partout. Hein. Tout à fait. Le drone autour des centrales nucléaires, ça devient maintenant complètement banal. Hein. Oui, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, plusieurs articles dans Le Parisien, Sud-Ouest, Le Figaro, BFM TV, France Info, bref, la totale, on peut lire par exemple dans Le Parisien. L'agence suédoise de renseignement intérieur, SAPO, a annoncé ce lundi enquêter sur plusieurs vols de drones au-dessus de centrales nucléaires. Elle a repris l'enquête préliminaire sur les incidents liés à des drones qui ont visé plusieurs centrales nucléaires. Quasi simultanément, le 14 janvier, selon un communiqué. D'après la police, il s'agissait de gros drones capables de résister à des vents forts. Une idée peut-être, Pauli, qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement? Il y a une source officielle qui dit que, en fait, ça concernerait des drones à voilure, donc à voile, d'à peu près 2 mètres d'envergure. Donc, c'est clair qu'on n'est pas sur des drones jouets, là. Et c'est vrai que la météo relate des vents très, très forts le long des côtes. Donc, impossibilité pour un drone amateur de faire des cabrioles autour des centrales par un champ vent. Drone à voile, ça, qu'est-ce qu'on entend par là, en fait? C'est-à-dire que c'est des drones qui sont équipés d'ailes, tout simplement. Ah oui, ailes, oui, dans ce cas-là, c'est un peu la vidéo russe que je montrais il y a quelques temps, là, c'est possiblement ça. Et d'ailleurs, selon un tabloïd, un drone militaire a également été aperçu samedi 15 janvier survolant les bâtiments du Parlement et du gouvernement, parce qu'il n'y a pas que les centrales nucléaires. Donc, les parlements du gouvernement suédois ainsi que les palais royaux dans le centre de Stockholm, il ne s'agit pas d'un petit drone à hélice, mais d'un grand drone d'au moins 2 mètres d'envergure, a indiqué une source au journal. Ces incidents sont intervenus après le déploiement de véhicules blindés et de dizaines de militaires armés dans les rues de Visby, ville portuaire située à Lille, sur l'île de Gotland, en mer Baltique. Une initiative inhabituelle précise en réponse à l'activité russe accrue dans la région. Donc voilà, rien de... Comme disait Marie-Thérèse, et d'ailleurs c'est ce que j'ai pensé depuis le début, rien de bien mystérieux dans toutes ces affaires qui fait tant parler en ufologie pourtant, parce que dès qu'on parle de drones, c'est avec cette mode de drovni aussi, depuis qu'on a eu ça avec les centrales nucléaires, comme je le disais en début d'émission. Hein. Mais ça prouve bien qu'ils, entre guillemets, ne sont pas agressifs, ne sont pas méchants. Ils veulent simplement surveiller qu'on ne fait pas trop de bêtises avec un... matériel qui peut être dangereux quand même. C'est vrai. Mais alors Eric, pour terminer, est-ce qu'il y a quand même des choses qui nous feraient penser que c'est exotique? Pas du tout. Ça semble quand même pas mal lié aux activités des Russes. En fait, ils sont sur les côtes, ils sont vraiment au sud. Et Parce que je parle uniquement des drones en Suède actuellement. Hein. Je ne parle pas des drovni au-dessus des centrales nucléaires de France, tout ça qui avait eu la vague, c'était en 2014-2015, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et pour toi, ce n'est pas la même chose, là. C'est un autre scénario qui se dégage.
Là, ça me paraît quand même un peu plus évident, puisque les Russes, ils sont installés le long des côtes, ils sont vraiment dans les parties sud du pays, là. Ils sont installés, et il y a des bâtiments de guerre qui ont été repérés également. Oui, ça paraît évident, parce que là, c'est la tension maximale avec l'OTAN en ce moment, donc c'est logique. C'est ça, avec les éléments liés justement à l'Ukraine, à l'invasion d'Ukraine, entre parenthèses. Et donc il y a une certaine pression à ce niveau-là aussi, bien que la Suède ne fait pas partie officiellement de l'OTAN. Hein. Par contre, ils collaborent justement avec eux, d'une manière ou d'une autre. Donc il y a des pressions, c'est des types de pressions qui s'exercent. Donc étant donné qu'ils n'étaient pas loin, les Russes, alors maintenant, à l'heure actuelle, je ne sais pas, ils sont peut-être retirés déjà. Hein. Mais pour toi, donc, il n'y a absolument rien de mystérieux. Hein. Non. En apparence. On est d'accord. Bon, qui veut rajouter quelque chose par rapport à ça ou d'autres choses dans l'actualité? Peut-être Marie-Thérèse voudrait parler de quelque chose de l'actualité ufologique. Non, mais moi, je me demande pourquoi est-ce que vous nous planquez la tête de Biden? Ah, alors ça, oui, il faut lui expliquer parce qu'elle n'était pas là en début d'émission, Marie-Thérèse. Alors, pourquoi tu as mis la tête de Biden, Eric? Pourquoi tu as fait cette chose? Ah, c'est mon petit mur habituel lorsque je fais un petit peu le focus sur les actualités. Bon, ça se passe souvent aux États-Unis, je suis désolé, c'est là où ça bouge un peu le plus. Et donc, c'était simplement pour montrer une image d'illustration, pour montrer que Biden donc, a signé la loi pour la défense pour l'exercice 2022. Et donc, dans cette loi, donc, il figure ce fameux bureau là qui va s'occuper des ovnis. Voilà, à la fois militaire et civil. Voilà. Donc, en fait, c'est intégré dans ce projet de loi. Donc, tous ces bureaux qui vont s'occuper de phénomènes ovnis, c'est ça? Voilà, donc en interaction avec les diverses agences de renseignement, donc qui en comptent à peu près une douzaine. Donc tout ce petit monde va se synchroniser et donc on aura certains éléments peut-être à venir lors du... Bon, on peut dire à partir du 31 octobre, peut-être, on peut peut-être espérer à ce niveau-là obtenir quelques miettes d'informations. En tout cas, merci messieurs, merci madame Marie-Thérèse Debrosse, merci infiniment pour toute cette émission qui était vraiment passionnante, tous ces cas d'abduction, tous ces cas enquêtés à la source, parce que c'est ça qui est le plus important. Écoutez, c'est simple, on adore vous écouter, Marie-Thérèse, et j'espère vous recevoir à nouveau, parce que c'était vraiment passionnant, vraiment, hein, je pèse mes mots, c'était passionnant de vous écouter. Merci. Non, c'est bien, c'est cool comme ça, c'est très bien. Et c'était très bien. Recevoir la monarchie, vraiment, toujours un moment extraordinaire. C'était une bonne ambiance, ça s'est très bien passé, j'en suis très content, vraiment. Merci à tous, Gérald, Eric, Jean, voilà, merci Bruno tout. Et Marie-Thérèse. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt, bonne nuit. Au revoir à tous. Salut les amis. Au revoir et merci.